Quand je vous dis que ça a changé... Je rigole pas quand je vous dis que ça a changé. Et Kyuzetsu qui est passé dans le chat hier, parce que j'ai rejoint le Discord du coup pour le télécharger, et qui est passé nous dire « Amusez-vous bien et tout. » Trop mimi, voilà. Donc c'est quelque chose. La musique est un peu zarbe, ouais. Mais c'est parce qu'elle est un peu en mode... Rage. Salut Claire Eliux. Oh my god, l'écran du bas. Oh my god, Tortimer, regardez comment il est gold. Il a pas de canne. Charlie, il a grave du chant, wesh. Excuse-moi de te déranger, mais une petite question à te poser si tu veux bien. Aujourd'hui, nous sommes bien le 15 octobre 2024 et il est 16h40, c'est ça? C'est tout à fait exact. J'avais peur que le jeu soit en anglais. Et j'ai pas du tout capté. Ah, bien merci, j'avais peur d'être encore tout dépassé comme je le suis tout le temps dans les transports. Tu sais, le décalage horaire, quoi. En tout cas, désolé, je ne voulais pas te déranger. Bah t'inquiète, hein. N'hésite surtout pas à t'asseoir en face de moi. Puisque c'est fait, tu permets que je m'asseye? Bah non, mais bon. Au fait, moi c'est Charlie et toi, comment tu t'appelles? Jambon. C'est la nif de Polito. Ma grosse phobie, Shaima, de nous apprendre ça. Ça c'est du nom, je m'y connais. C'est plutôt mignon, non? Vas-y, je prends un visage au hasard, on en a rien à foutre, mais tous les cas, on va être riche. Je l'aime bien aussi. Il a changé Charlie. Ouais, il a vachement changé Charlie. Après, écoutez, voilà. On va où? Las Vidas de Crotte. Oh non, pas là-bas. On va où? Il a pris un coup de vieux. Il a un peu changé, ouais. En fait, ils ont un petit peu fait... Ouais. Ah, vous avez grave chipsé Erel et Orion. Vous avez dit la même chose, mot pour mot, quoi. Et tacos. Oh non. Arrêtez. Slayland. C'est terrible. Ah, Ibiza. C'est quoi un truc qui fait super riche? On va à Gay. Dans la ville de Gay. Y a pas les trois petits points. On va à trois petits points. Va trois petits points. Coucou Lucie. Bling bling Monaco. Mais nous on s'en fout, on l'appelle je sais pas. Monaco Kate. Ça passe pas, je crois, c'est trop long. Clochette, venez, on l'appelle Clochette. J'avoue, c'est très mimi. On va à Clochette pour se faire des clochettes. J'aime bien l'idée. Bah, va te faire foutre. Ça passe pas, c'est trop long. On va à Clochette. On va à Bells. On va à Belle. C'est les clochettes en anglais. Ah, Belle, c'est ça? C'est ça. Ça aurait jamais passé Mona Coquette, genre. Ça passait pas. Je crois pas avoir déjà entendu parler. Je vois pas où c'est. Attends, je vais prendre ma carte. Carte. Petite carte, voyons voir. Ah, attends, c'est cette ville-là? Bah non, ça pue la merde ici. C'est pas là, en fait. Moi, je vais dans une ville riche, en fait. Oh, waouh. Ah non, ça va être chiant, le truc du travers, là. Bon, elle est chiante cette carte. Ok, j'accepte. On a trouvé. Salut Hot Cookies, comment ça va? Map de... Ouais, un peu, j'avoue. Alors, venez. Ok. Je rentre en RP Samantha. J'aurais dû m'appeler Samantha. On recommence. Pardon pour ce moment, on recommence. On est tellement au début, on s'en fout, on recommence. Des bisous, Lox. Des zoubis.
On va s'appeler Samantha de Leclerc, genre. Pitié, et je rentre dans le RP Samantha. Et je suis grave en mode hautaine riche en fait. Il me faudrait trop un chewing-gum, putain. Ah, c'est pas ACNL ça. Ça, c'est ACWL. Welcome Luxury. Tout à fait exact en fait. Allez, on recommence. C'était grave, je vais m'appeler Samantha, je sais pas si ça passe. Let's go pour vos séries de visionnage, vous slayez? Moi, c'est Samantha. Samantha. C'est écrit comme ça, Samantha, ou il n'y a pas de H? Comment vous l'écrivez, Samantha? Vous écrivez un H avec un H ou pas? Oui. Tout le monde? Oui, comme ça, ok. C'est mignon, hein. Ok. J'aime beaucoup Samantha, ça me fait penser au Totally Spies. Ah non, non, mais t'inquiète, moi je vais te faire penser à Samantha du Leclerc, en fait. Samantha de là, en fait. Vous pensez que j'ai oublié? J'ai toujours travaillé depuis l'événement, en fait. Là, ça fait un moment que je travaille ici encore. Et je ne savais pas qui j'ai revu. Le petit Dimitri. Il est revenu. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et je travaille toujours ici, donc... Eh ouais, entre le nom de la ville, elle s'appelle Leclerc, en fait. Mais elle s'appelle Leclerc écrit comme ça, en fait, la ville. Leclerc. Parce qu'en fait, on fait pas de la pub en fait. Ça s'appelle Leclerc. Parce qu'elle est super claire. Donc, Ah shit, bah non, gros clochard, c'est pas ici en fait. Tu te prends pour qui Charlie à dire ça? C'est pas là en fait. C'est pas là non plus en fait. Je sais pas, concentre-toi en fait. Tu reconnais pas la carte ou quoi? Mais c'est pas non plus ici en fait. T'es trop bête, je te jure. C'est archi ici en fait, mais bon, donc concentre-toi un petit peu plus en fait, parce que là tu nous fais grave perdre du temps en fait. T'es déjà allé à Leclerc? Ça me regarde en fait. Tu parles mieux en fait. Tu me poses pas des questions indiscrètes. Oui, c'est un secret. Tu te prends pour qui? Je vais pas te dire tous mes secrets. Je parie que tu peux deviner, que je peux deviner tes petits secrets de toute façon. Bah non en fait, qui t'a invité? Billet, c'est un aller simple, bah ouais. Pourquoi tu dis que je déménage? Qu'est-ce que t'en sais? T'es malin, toi. Et toi, t'es une sacrée rigolote. Je n'en croise pas des comme toi tous les jours. Bah, ça me regarde, en fait. Tu vas y vivre? Sympa comme tu l'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à te faire des amis. Mais ça te regarde pas, je t'ai dit. Je regrette presque de ne pas vouloir aller vivre à Leclerc, moi aussi. J'ai comme le sentiment qu'on ne va pas s'y qu'on ne va pas s'y ennuyer. Bah, ah, heureusement qu'on arrive parce que j'en pouvais plus là. Être avec un mec comme lui dans le train là. Fou. Non, merci en fait. Je m'en passe de fou. T'as archi raison, Nico en fait. Ouais, bah on est sur le point d'arriver à Leclerc en fait. Donc tu vas arrêter de me suivre en fait. Bah, j'ai pas envie de te dire merci. J'ai pas du tout aimé parler avec toi. Donc, ok, je m'en fous. Bye. Salut Puma. Salut Tanguy, comment ça va? Purée, le train il est trop gold en fait. Il est super golden. Je suis choc barre. Mais tout est en or en fait ici. De toute façon, on est tellement doré. Tellement doré. Normal. Salut Liam en fait. Bienvenue, regardez. Tout est gold. Ça lag un peu, mais ça va revenir en fait. C'est normal. C'est exactement la tête que Samantha a en fait. C'est vraiment exactement ce à quoi je m'attendais. J'aurais même eu les yeux ronds avec les trois cils en bas, ça m'aurait convenu en fait. Mais c'est exactement typiquement Samantha ça. Et ouais, regardez-moi, ma beauté arrive en ville en fait. Regardez comme je suis belle! Vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous êtes en fait? Dimitri, mais t'es là! Ta mère, elle te cherche en fait à l'accueil de Leclerc! T'es sérieux? T'es sérieux, Dimitri, ta mère, elle te cherche depuis 6 jours. Elle est là, elle se trimballe dans Leclerc, en fait, t'étais là. Mais t'es sérieux, Dimitri? Ta gueule,
gueule, toi. Je veux parler au gosse, là. Je te demande pardon. Pousse-toi. Laisse-moi parler à Dimitri. Il faut que j'aille lui dire que sa mère l'attend. Vous avez tout faux, madame. Laissez-moi partir. Je veux parler à Dimitri. Pousse-toi. Pousse-toi. Laisse-moi tranquille. Dimitri, tu m'écoutes. Ta mère, elle t'attend. Arrêtez, madame. Vous me harcelez, là. Laissez-moi. J'y viendrai plus tard. Ta mère, elle t'attend, Dimitri. Oh, cool. C'est toi le nouveau maire, hein. Mais je te dis, ta mère, elle t'attend. Tu me dis ça. La classe. Mère, non, ta maman, pas la mairesse. Ta maman, elle t'attend. Elle t'attend au Leclerc. Il faut que tu retournes. On va être amis, toi et moi. Ok, pas de problème. Je pense que tu peux être mon meilleur ami, Dimitri. Mais il faut vraiment que tu dises à ta maman, en fait, qu'elle arrête de venir. Parce qu'en fait, si tu continues comme ça, elle va appeler la police, hein. Mais je pense que... Ok, salut. Ça... Et tu t'as vu, Dimitri? Il est trop stylé. Bonjour, madame. Vous avez pas de... Vous avez des trous dans vos yeux? Vous avez pas d'œil, vous avez pas de bouche en fait. Comment vous respirez? Comment vous me voyez? Je suis choc barre. Oh waouh, regardez le curseur, il est si shiny. Il est tellement, tellement gold. Tout est slay. Il est où le dernier? C'est qui lui? Avis de retrouvailles. C'est super drôle. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous êtes, en fait? Dimitri, mais t'es là! Ta mère, elle te cherche, en fait, à l'accueil de Leclerc! T'es sérieux? Il y a un décalage, c'est trop chiant. T'es sérieux, Dimitri? Ta mère, elle te cherche depuis 6 jours! Elle est là, elle se trimballe dans Leclerc, en fait, t'étais là! Mais t'es sérieux, Dimitri? Putain, c'est fou, hein! Vous avez vu, les gens, comment ils sont? Je parlais au gosse qui s'est enfui! Oh, putain! Tout le monde a clé, mais en même temps, vous avez trop raison. Mais même Marie, regardez comme elle est sapée. Marie, t'es trop gold. Waouh, la boutique des reventes de la retouche, elles sont trop belles. En tout cas, par contre, faudrait vraiment me refaire des sapes, hein, Marie, parce que là, c'est vraiment pas possible. Qui m'a mis des fucking ballerines, en fait? Il en est absolument hors de question. Vous pensez qu'on est habillé comme des merdes ici ou quoi, là? Samantha, en fait. Je préfère être pieds nus qu'être avec des ballerines qui transpirent de mes pieds, en fait. Purée, c'est quand même dingue. On peut pas être sapé comme jamais ici. C'est quand même dingue. Je pense que demain matin, on va essayer de trouver des filtres visuels et audio pour faire Samantha encore mieux. Filtre audio plus visu pour Samantha. Parce que franchement, il faut trop lui faire une petite voix et un petit filtre visuel, en fait. Parce que bon, je suppose que... La faire parler comme ça, avec ça, c'est pas... c'est peut-être pas le meilleur des décisions. Marie, vous êtes un petit peu chiante, là. Vous êtes un petit peu chiante, si je peux me le permettre. C'est une catastrophe. Bah oui, vous m'avez donné des ballerines. Vous m'avez donné des ballerines pour mon arrivée. Je suis la mère du village, en fait. Il faut te réveiller, Marie. Il faut te réveiller, tu me donnes des ballerines. C'est une catastrophe, bien sûr que oui, c'est une catastrophe. Bien sûr que oui, c'est une catastrophe. Des ballerines. C'est dingue, hein. Mais c'est fou, ça. Mais vous êtes tellement synchronisée avec moi. Oh my god. Ça, le bichouette, en fait. En fait, bichouette, je t'explique. Je t'explique, en fait. Moi, c'est pas... Moi, c'est Samantha, en fait. Samantha, et je suis arrivée dans la ville de Leclerc, en fait. Je suis grave arrivée à Leclerc. En fait, vu que je suis arrivée à Leclerc, ils m'ont donné... ces habitants-là. Ces mal vêtus, là. Ils m'ont donné des ballerines. Des fucking ballerines. Tu te rends compte, bichouette? Et on a retrouvé... On a archi... Archi retrouvé le petit gosse qui s'était enfui. Il est là. Il est là. On a... Oh, on a Blanche et Hippie. Ok. Ça me convient. On va... Je propose qu'on fasse un truc que tout le monde a l'habitude de faire. Voler les fruits du village. Et aller les vendre. Les fleurs, elles se cassent même pas et tout. C'est trop cool. Je suis tellement RP, Samantha. Samantha, la chaise. De quoi la chaise? Toi, t'es qui?
Tu crois trop dire la chaise en fait. En plus tu crois trop le dire et en plus tu le dis. Je sais pas pour qui tu te prends mais... La chaise de quoi la chaise? Moi je suis pas une chaise en fait. Tu dis pas que je suis une chaise en fait. Mais bon bref. Personne s'assoit sur moi en fait. C'est moi qui m'assois sur les gens en fait. Bref. De toute façon, Samantha, elle est tellement bien vêtue. Bah écoute, Samantha, elle a pas mis ses lunettes en fait, donc... elle sait pas lire en fait. Elle sait pas lire, Samantha. Vous pensez que... Vous pensez pourquoi... Hein? Hein? Bah voilà, bah parce qu'elle sait pas lire en fait. Donc vous arrêtez de la triquiter en fait. Samantha, elle est trop dans son RP, je sais pas lire, donc arrêtez. Ça se fait archi pas, mais archi pas en fait. Une parfaite. Mais alors là, je suis plus que choc-barre. Des ballerines. Mais est-ce qu'on se rend compte? Parce que moi, je me demande si on se rend bien compte. Hein. Ça paye plus à l'accueil du Leclerc. Mais non, ça paye plus. Ils ont baissé mon salaire de 17%. Ils ont dit que j'étais pas assez... Oh, j'étais pas assez dans le travail en fait. Mais je sais pas ce qui leur fait dire ça parce que c'est vraiment des gros menteurs, mais bon. Après là je ramasse ça alors qu'il faut vraiment que j'aille voir Tom Nook et tout et qu'on aille faire un tour de la rue commerçante pour aller voir si je peux pas m'acheter des nouveaux vêtements parce que là, je sais pas qui a décidé de s'habiller comme ça mais c'est vraiment de la merde. Donc on va aller trouver des habits s'il vous plaît parce que là c'est vraiment la grosse honte. Si je peux me permettre, c'est vraiment une honte qu'on n'a jamais vue auparavant. Donc voilà. Je vais trop lui trouver des lunettes et tout donc elle a intérêt à être bien sapée. Non, j'ai même pas eu de prime pour avoir retrouvé Dimitri. Bah, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses, en fait? Purée! Mais tout est gold ici. Je suis arrivée dans la ville d'Eri. Je vais pouvoir me refaire une petite folie. Tout est gold. Tout est gold. Regardez, Méli Mélo, ils ont même des trucs de bordure, là, en or. Est-ce qu'ils sont pas trop riches? Ils devraient les prendre et les revendre hein, pour refaire leur boutique parce que ça craint du boudin. Hein. Je me permets parce que ça pue du cul, mais... Waouh, mais c'est so gold, regardez ça. Tout est so shiny. Est-ce que je peux aller là? Ah ouais, je peux grave aller là. Est-ce que vous pensez que je peux me faire grave... grave des... Oh waouh. Salut, c'est Samantha. Vous avez que de la merde, je m'en vais. C'est vachement moche. Un taudis aussi luxueux. Mais moi non plus, franchement, hein, j'ai un peu choqué. Même le Leclerc dans lequel je travaille, il est pas comme ça, donc... Salut, salut. Salut, je viens juste récupérer une autre tenue parce que ça pue. Je vais mettre ça, c'est superbe. C'est une superbe tenue. De travail, hein. Moi je travaille à l'accueil de Leclerc en fait, donc... Bah je veux le prendre en fait. Pourquoi elle veut pas me donner en fait? Je sais pas ce qu'elle a elle, mais... Elle veut pas me donner le motif. Tu peux me le donner s'il te plaît? Je sais pas, genre, enfin, allô? Je pense qu'en fait je peux rien faire tant qu'elle est... Bref, et on va même pas lui parler à l'autre au fond. Elle est trop concentrée dans son truc de plombier là. On va la laisser faire son truc. Je pense que je vais aller voir ce qui m'a été demandé de voir en fait. Et je pense que ce qui m'a été demandé de voir en fait, c'est d'aller voir Tom Nook. Bois de l'eau, gouttelette. Vous avez trop raison de m'hydrater parce que Samantha elle en peut plus là déjà. C'est déjà fini là. Samantha elle en a déjà trop marre. Hein. Salut. Qu'est-ce que tu fais toi? Samantha de Leclerc, en fait. Il y a la plomberie. Bah, bien sûr, elle faisait la plomberie. Tu me prends pour qui, en fait? Tu crois que je suis en train de mentir ou quoi? Elle faisait la plomberie, je l'ai vue. Et je t'embauche. Mais merci, franchement, normal en même temps de m'embaucher. Je me permets, hein, mais tellement normal. Dépêche-toi, gros plein de soupe. On n'a pas de temps, là. Il faut qu'on court pour aller trouver un emplacement pour mettre ma future maisonnette, en fait. Je sais pas pour qui tu te prends, mais dépêche-toi, en fait. Trop plein de soupe, je l'ai appelé. Je suis désolée, Tom Nook, mais là, c'est vraiment la grosse tue. Gros plein de soupe. Vas-y, Tom Nook, je mets ma maison ici. J'en ai rien à faire des décorations, moi. Comme ça, j'ai un petit œil sur la maison de Dimitri parce qu'au cas où il s'en aille, tu comprends? Allez! On n'a pas ton temps, en fait. Tu pourrais te dépêcher, en fait. C'est franchement superbe. C'est franchement superbe.
Allez, Tom Nook, dépêche-toi, en fait. Il y a la meuf de la mairie qui attend, là. La meuf qui prend ma place de mère, en fait. Et je parle pas de la place de maman, je parle de la place de la mairesse, en fait. Poussez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler, je ne veux pas communiquer avec vous. Oh, il avait le nez qui tombait, là. La place de mère, la place de la mère. Bah oui, de la mère, tu pensais que je parlais de quoi? Bah moi non plus aussi, Anne, figure-toi que Tom Nook, j'ai jamais vu courir tout court. Donc là, c'est une première pour tout le monde. Je pense qu'on devrait être tous vraiment ravis. Je vais récupérer encore plein de trucs parce que moi, j'ai pas le temps. Oh my god, regardez, il y a qui passe me dire coucou. Salut Dimitri. Dimitri, tu me dis si jamais tu veux, je te ramène à ta mère, hein. Tu devrais aller le dire à Mary, à Marie de la mairie. Je pense qu'il est trop dans le champ lexical de la maman, lui. Je pense qu'il a trop sa maman qui lui manque, en fait. Donc, c'est qui habite là? Toc, toc, toc! C'est les impôts! Donnez l'argent, s'il vous plaît. C'est les impôts, on vient chercher l'argent. Merci d'avance. Ah ouais, vous avez grave des meubles de riche, vous. Mais madame, vous avez trop de la richesse, en fait. Vous avez une peluche en or et tout. Enfin, je sais pas. Vous avez trop des meubles. Est-ce que je peux prendre tous vos meubles? Mais ça, madame, vous avez un vitrail sur votre maison? Sur votre fenêtre de votre maison? Mais vous allez bien ou quoi, là? Elle est complètement folle, celle-ci. Elle a mis un vitrail d'église dans sa maison. Moi, je pense que je vais arrêter de lui parler parce que... Je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais c'est vraiment la honte. Bref. En attendant, je vais grave ramasser ça parce que ça, ça vaut de l'or apparemment. J'ai des vieilles oranges, c'est éclaté au sol, mais pour l'argent. Et lui, regardez, il a trop voulu voler ma place à Leclerc, je le reconnais. Tu vois, arrêtez en fait de vouloir voler ma place à Leclerc. Les gens, ils se prennent trop pour... Depuis que je suis partie, depuis que je suis devenue mairesse, ça y est, les gens, ils veulent tous prendre ma place à Leclerc. Au bout d'un moment, il faut arrêter en fait. Genre, ça suffit. Je peux pas avoir 50 métiers. Il faut que les gens ils le comprennent, en fait. Allez. Marie de la mairie, en fait. Salut. Salut, Marie de la mairie. Et salut, j'ajoute, en fait. Tu te prends pour qui à dire bonjour seulement maintenant, en fait? T'aurais pu dire bonjour il y a 10 secondes, je sais pas, genre, comme tout le monde, en fait. Bref, bonjour à toi. J'espère que ça va bien. J'ai trouvé mon coin de paradis. Oui, oui. J'ai pas compris ce que tu me dis, en fait. Ayame, en fait. Je sais pas ce que tu me racontes, en fait. J'espère que votre maison sera vite prête pour vous accueillir. Bah, pas de soucis, Marie. Mais tu sais, Marie, moi, je suis née exactement ça. Mais pour faire chier tout le monde, je vais mettre que je suis née demain. Comme ça, demain, on fait mon anniversaire dans le jeu. Je suis née demain, en fait. T'es trop une mytho, Marie. Je suis tout juste née, là, ouais. Elle se prend pour une sainte alors que c'est le loup blanc qui mange des gens et trahit les loups dans les jeux du loup-garou. Mais c'est exactement ça, Bichot. Tu dis trop les termes. T'es une termeuse, en fait. Mais ça va bien, Jajou. Merci. Merci, Jajou. J'espère que toi aussi, t'es ravie de voir que Marie, elle a un super beau pot de fleurs sur son bureau. Et qu'est-ce que c'est le machin devant, là? Bois de l'eau. Ouais, vas-y, vas-y. On va aller à la place. Vas-y, vas-y. Pas de soucis. Et merci de me faire boire, en fait. Regardez, mes habitants, ils sont trop habitants. Avec le coucher du soleil et tout, ils habitent tellement. Ils sont tellement habitants, ils habitent tellement. À vous de jouer, madame Samantha. Appuyez sur A pour planter l'arbrisseau. Bah, j'appuie sur A quand je veux, en fait. Si j'ai pas envie, j'appuie pas. J'appuie parce que je fais un screenshot, en fait. Mais c'est tout, quoi. J'appuie. Je fais des screenshots, en fait. Voilà, je fais plein de screenshots. Voilà, j'ai fait plein de screenshots. En ce jour glorieux du 15 octobre, nous célébrons ensemble l'arrivée providentielle de notre belle ville de Leclerc. Notre nouveau maire, Madame Samantha. Merci, je sais. Maintenant, on peut arrêter. Merci à vous. Merci, allez. On peut arrêter, s'il vous plaît, d'applaudir et tout. Là, c'est gênant. Vous gênez de fou, vous gênez tellement. Vous êtes trop gênante. Arrêtez. Merci. Bah ouais, Samantha, elle travaille à Leclerc, vous croyez quoi? Samantha, elle travaille tellement à Leclerc, en fait.
Pour pas faire de la pub au magasin, vous comprenez. Salut les habitants. Mais en fait, pourquoi mon jeu il est en fois je sais pas combien en fait? Pourquoi le jeu il est super rapide comme ça en fait? C'est quoi le fucking problème de ce jeu? On se met en x10 mais pas x50 000 en fait, ça va pas ou quoi? On va lui parler à lui mais voilà. Salut le postier. Vous êtes sexy raffiné, sexy raffiné. Salut ici, je viens vendre des objets. Yes, je vais ramener Dimitras à Daron. J'oublie pas, je te promets, Paquita. Merci beaucoup et des bisous à toi, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Saut écologiste, mais bien sûr que oui, en fait. Sa mentale est saut écologiste, les gars. C'est archi normal, après tout, on dirait. Entendu. Merci à toi. Est-ce que tu peux arrêter de lui parler? J'aimerais lui discuter avec elle, en fait. Un peu gênant. Gênant la conve. Oh, le tapis, il est trop mimes en fait à l'entrée. C'est toi qui l'a fait, la dame rose là? Pourquoi votre tablier il est doré en fait? Vous êtes trop goldie. Merci de me parler, mais j'ai pas envie d'écouter ce que vous dites. Merci d'accélérer dans votre dialogue. Vous êtes un peu longue. Ah là là, c'est mieux comme ça. Pourquoi il se réveille pas lui? Il croit qu'on est endormi ou quoi là? Tiens, toi, je peux pas te vendre des affaires? Je viens te vendre des affaires, regarde. Je te vends mes vieilles chaussettes et mes ballerines, ça pue du cul, donc... sens pas trop. Oh! Mais d'accord, en fait, t'as pas de problème, je t'ai vendu mes ballerines, je savais pas qu'elles valaient aussi cher, en fait. Je savais pas que mes ballerines, elles coûtaient aussi cher, mais... Mais franchement, pas de problème. En même temps, c'est parce que c'est Samantha qui les a portées, les chaussettes et tout, donc... Donc c'est pour ça en fait, c'est parce que voilà. Vous croyez trop en fait, c'est un prix exorbitant alors que c'est vraiment ce que ça vaut. Parce que mes chaussettes elles coûtent super cher, c'est des Chanel et des Gucci. Et mes ballerines je les ai portées 5 minutes donc ça vaut trop en fait. Ça vaut archi trop le prix. Je pense que je vais aller chercher toutes les poires, c'est pas des poires mais toutes les trucs. C'est quoi ça en fait? Qui m'envoie des lettres? C'est qui Nintendo? Bienvenue dans Animal Crossing New Leaf, welcome Amiibo. C'est pas vrai, c'est Luxury, mais bon. N'hésite pas à consulter ce livre si tu as besoin d'être... J'ai pas envie de regarder ton vieux bouquin, moi je sais pas lire. Laisse-moi tranquille, en fait. On va explorer, en fait, parce que là, on a tellement de choses à voir encore. On a tellement de choses à voir. Alors, ok. C'est qui habite là? Me dites pas c'est Dimitri parce que sa maison elle pue la merde sinon. C'est hippie, je sais pas c'est qui mais sa maison elle est super moche. Je lis pas le chat n'importe quoi chez moi. En fait c'est parce que ça le lit dans mes oreilles. Eh madame, votre maison vous avez cru c'était un gymnase ou quoi là? Moi je viens plus jamais chez vous, je m'en vais. Non peut-être que je lui parle pour dire bonjour un peu. Kikou madame le maire, gênante. J'ai plus envie de te parler, t'es gênante. Elle est gênante, elle a dit Kikou, elle est trop gênante. So gênante. Bref. Je pense que, en fait, on se rend pas compte, mais ça vaut super cher aussi. C'est des coquillages dorés. Donc voilà. Samantha, elle court super vite. En fait, Samantha, vous savez pas, mais Samantha, en fait, elle a fait. Enfin, elle a fait. J'ai fait, en fait, ce que je, Samantha. En fait, c'est parce que j'ai fait tellement de courses à pied quand j'étais petite. Gênant. Il y a un mec gênant, il a dit Kikou dans le chat. Gênant. Samantha, elle aime pas, hein. Samantha c'est moi donc j'aime pas trop. L'arbre en haut là-bas il a une sacrée gueule de merde hein, si je peux me permettre de le critiquer un petit peu. Salut en fait, salut. Je vais peut-être aller acheter des trucs chez Tom Nook là, non? Pas chez Tom Nook mais vous savez chez le petit frère de Tom Nook là, le petit avec son jumeau petit là. Eh, il y a un panier tout doré là. Non, je peux pas entraîner chez Hippie, c'est une crasseuse, je viens de rentrer chez elle, ça pue la transpiration. Les gens ils viennent tous chez eux, chez elle et puis après ils nettoient jamais. Les gens se trouvent des crasseux de toute façon. Les petits par petits, bah bien sûr, les petits par petits. Petits par petits. Les petits. Je sais pas ce que vous dites, je suis perdue. Je sais pas ce qu'on dit en fait. De toute façon,
Samantha, vous savez pas qui c'est réellement, donc vous pouvez rien faire contre elle. Les cracras, ils laissent tout traîner. Il y a carrément, vous avez pas vu, il y avait des flaques de sueur au sol. Il y avait des flaques de sueur tellement les gens ils suent et ils nettoient pas. C'était dégueu, hein. Franchement, moi j'ai mis les pieds et pieds nus dedans. Je vous assure que c'était vraiment dégueulasse. Donc, si jamais vous avez besoin, bah n'allez pas chez elle. Hein. Allez plutôt dehors, c'est plus propre. Même vous roulez dans la boue, ce sera plus propre que d'aller chez elle. Donc, elle est trop mystérieuse. Bien sûr qu'elle est trop mystérieuse. Rendez-moi l'argent en fait. Ramassez votre sueur, enfin je sais pas, genre c'est comme tout le monde quoi. Moi ma sueur je la prends et je la ramasse et je la mets dans une bouteille et après je la vends sur le bon coin, mais faut pas dire c'est les techniques pour se faire grave des sous, donc je vais peut-être pas tout vous dire parce qu'après vous allez prendre mes techniques et tout le monde va faire pareil et ça vaudra beaucoup moins cher. Donc, t'as mis les pieds, ça me dégoûte, c'est tout mouillé mes pieds. Salut. T'es la bienvenue, bah ouais je suis la bienvenue, surtout c'est toi qui es gentil, tu me donnes tellement plein de sous que je suis tellement contente en fait. Je te vends tout ça parce qu'en fait j'en ai pas d'utilité et j'aimerais beaucoup que je te vende tout, donc tiens. Bah ça me fait trop plaisir en tout cas d'avoir fait des affaires avec toi, je peux déjà rembourser 8 prêts. Merci à toi ma belle. Salut Alicia, comment ça va? J'espère que tu vas bien dans le chat. Moi je me présente, c'est Samantha. Je travaille chez Leclerc et maintenant j'habite à Leclerc, mais c'est pas la même, donc c'est pour ça. Et là en fait j'ai décidé que j'allais acheter des outils pour aller un petit peu ratiboiser l'île et faire chier tous les habitants. Voilà. Salut Liassi, j'espère que ça va bien. Oh my god, il y a une perle. Il y a une poubelle, bah voilà, je vais la mettre dans la maison de hippie en fait. C'est super Mélo, je m'en fous de ta vie, merci de me donner ce que je voulais. C'est-à-dire la perle, je prends la perle. Bien sûr, je vais prendre la pelle. Il se prend pour qui ? Et je veux pas. Laisse-moi. Tu crois que je sais pas utiliser une pelle ou quoi ? Il est trop fou, lui. Il a cru que j'étais née au Moyen-Âge, en fait. Et même au Moyen-Âge, ils utilisaient des pelles, en fait. Donc, laisse-moi tranquille, en fait. Je veux pas. Je sais pêcher, en fait. T'as cru que je savais pas pêcher, en fait. Même en préhistoire, il faisait déjà ça. C'est vraiment la teon, hein. Salut Kawaii, salut Midona, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de Samantha. Aujourd'hui, je vous présente ma superbe nouvelle vie de mairesse. Je vous présente ma superbe vie de mairesse, en fait. Donc, j'espère que ça vous plaît. Bienvenue, bah merci. La dernière fois, tu m'as un peu dit d'aller me faire foutre. Donc, je pourrais prendre la chemise pour m'habiller un petit peu, s'il te plaît. Oui, pas de problème, pas de problème. Je veux mettre ça ici, si tu pouvais me le mettre là. Merci. Et j'aimerais aussi acheter ce pantalon parce que ce serait vraiment mieux pour ma tenue de mairesse, si je peux me permettre. Merci, je suis mère. Mairesse en hashtag or. Bah t'inquiète pas, tu fais pas aussi bien dire parce que bientôt je vais être goldée de la tête aux pieds. Donc voilà, je vais mettre ce nouveau pantalon. Je pense qu'il est superbe. Et je vais mettre ma nouvelle chemise qui était gratuite parce qu'attendez, pour l'instant on dépense pas trop d'argent. Vous avez cru qu'on allait dépenser des sous ou quoi? Bref. Mais reste en or, de toute façon, qu'on a dit. Donc, et si je peux me permettre, il me manque un tout petit accessoire que je vais acheter tout de suite, ce qui est superbe. C'est cet accessoire-là. Moi, je le trouve superbe. Après je pense que je peux plus enlever mon futal, en fait. C'est trop la teon. Je peux plus enlever mon pantalon, maintenant. Bah, écoutez, voilà. C'est ma première tenue, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, ils n'ont pas trop de goût, donc il n'y a pas tant d'habits que ça là-dedans, de toute façon. Mais je pense, vous savez quoi, venez, on va tout vendre dans la boutique. Je pense qu'en fait, on va tout vendre dans la boutique, enfin tout acheter, parce qu'en fait, ils ont besoin d'argent pour agrandir leur bâtiment, je suis sûre, parce qu'elles sont trop pauvres. Il n'y avait pas la superbe Samantha qui était venue les aider, donc ils ne pouvaient pas tout avoir. Salut Zorua, bienvenue sur le live de Samantha, en fait. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va bien de ton côté. Je vais prendre tous les habits qu'on a. Mais arrêtez en fait, mon pantalon il est super. Je sais pas ce que vous avez, mais. Après, je pense que toutes mes restes qui se respectent en général, ils mettent des jupes. Donc je vais mettre une jupe blanche à pois, je pense. Toutes les mairesses qui se respectent, elles font ça. Donc regardez. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment une tenue de mairesse qui se respecte. Donc. Ah, t'inquiète pas, Zorua, tu peux rester, ça me dérange pas. T'as l'air sympa. Bienvenue en tout cas, moi c'est Samantha. Je me présente, anciennement je travaillais chez Leclerc.
et gérer le petit Dimitri qui était en train de manger les bonbons dans les rayons. Maintenant, le petit Dimitri, c'est mon citoyen de ma ville. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, de voir mes citoyens me servir. Je vais tout prendre parce que moi, je suis tellement gentille. Non, c'est Leclerc. Leclerc comme quelque chose de clair avec un E. Parce qu'en fait, ici, on est un peu dysorthographique. Du coup, on écrit comme on veut, en fait. Il n'y a pas de règle, en fait, ici. Ça, ça coûte plus cher que tout ce que j'ai acheté auparavant. Bah, c'est vraiment de la grosse merde. Je me permets, parce que c'est vrai. Il n'y a même plus la musique, tellement. J'avais trop acheté de choses, j'ai acheté même la musique, donc... Allez! Je vais aller voir par là-bas. Je pense que je vais... aller voir lui, là-bas. Et je vais lui dire si je peux rembourser ton prêt dès le day one, en fait. Donc... Je suis bien accueillie, bah c'est normal en fait, ici on accueille les gens comme ils se doivent en fait. Rosavana en fait, j'espère que ça va bien. Ça marche en fait Tom Nook, j'ai grave les moyens de toute façon, je suis tellement tellement riche. Merci. J'ai pas besoin de Tom Nook, regarde j'ai vendu mes ballerines pleines de sueur et du coup j'ai l'argent, regarde. J'ai tellement l'argent qu'il te faut, j'ai apporté tout ton acompte, regarde, hop. Les clochettes sont tellement gold. Tellement gold. J'aimerais bien avoir un toit jaune en or, s'il te plaît. Attends. J'ai t'a dit jaune, moi je te dis en or. Hein. T'oublie pas, tu fais en or, pas juste en jaune. Hein. C'est un toit en or. Ouais. C'est un toit en or, en fait. Merci. T'as loupé la découverte de Dimitri Savannah. Je sais pas si tu te rends compte, mais... Je sais pas si t'étais là quand on a découvert Dimitri, mais... C'est tellement une musique de riche qui vient de passer en fond. Salut Anaïs, ça va et toi? Comment tu vas? Bienvenue sur le live de Samantha en fait. Je vais aller... Ah, j'aurais dû tout acheter dans la boutique de Mélie et Mélo parce qu'en fait ils sont tellement pas riches non plus qu'il faut peut-être les aider en fait. Attendez, je vais les aider. Je vais aller les aider en fait parce que là c'est un peu latteux. Touchez votre pif. Je sais pas si c'est qui a inventé ça mais c'est une superbe idée de toucher son nez aux heures miroir mais bon. Toucher votre nez, c'est super intéressant. Salut le ptio. Samantha, la reine arrive pour acheter ta poubelle. Une boîte à ordures, excuse-moi. Je vais acheter tout ce que je peux acheter ici. Hop, merci. Merci, reine Samantha passe, tu t'écartes. Reine Samantha domine et tu t'inclines. Elle peut donner des conseils de mode? Ouais, ouais, je pense. En fait, moi, si tu veux, je suis... Avant toute chose, je suis experte de salle de bain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais des défilés dans ma salle de bain. Et en fait, je suis testeuse d'habits. Je suis surtout professionnelle de la mode, hein, évidemment. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas avec un physique comme ceux des autres qu'on va arriver à quelque chose. Donc voilà, je vais aller vendre tout ça. Mais je pourrais grave vous donner des conseils de mode. Ouais. Après, il me faudra juste des chaussures. Parce que là, en fait, je fais un peu cheap, si je peux me permettre, en fait. Un petit peu quoi. Voilà, trois petits points. Allez. Allez la dame rose, donne-moi des sous. Je te vends tous mes habits, je les ai portés évidemment. Hein. Ça vaut beaucoup plus que prévu maintenant que je te dis que je les ai portés. Et maintenant, hop, 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 hop. Voilà. On est d'accord, 7000 pour tout ça. Franchement, c'est plus que ce que j'ai dépensé pour les acheter. Donc en fait, je fais de... Je pense qu'en fait, c'est un petit peu... Un petit peu facile de se faire de l'argent dans ce village, j'apprécie beaucoup. Ça veut dire que je vais grave avancer facilement. Ensuite, je vais m'amuser. On va pêcher un peu. Salut, le poiscaille. Tu peux venir en fait, parce que là, t'es un petit peu chiant, en fait, si je peux me permettre, mais bon. Tu pourrais te dépêcher un petit peu mieux, par contre, parce que là, c'est un peu chiant, en fait. Allez là, le poisson en fait, Samantha en a ras le bol déjà. C'est fou. Hein. Merci. Bah franchement le poisson, t'étais même pas beau, donc voilà, bref. Après ils sont pas censés s'enfuir les poissons, donc mais bon. Ah vrai, bon. C'est parce que j'ai été trop belle pour lui et il a eu peur de ma beauté en fait, c'est pour ça. En fait, c'est parce que je suis pas pêcheuse, vous comprenez. Tu te plais à Leclerc? Bah, c'est ma ville, donc oui, je m'y plais, en fait. Par contre, toi, tu devrais grave t'acheter des yeux avec l'argent qu'on se fait ici, parce que t'as pas d'œil, ma belle. Donc,
C'est quoi ça encore? Ça clignote et tout. C'est quoi ces trucs de clignotage? Est-ce qu'on a vraiment besoin de bons de commerce en fait? Quand on est aussi belle que moi, je sais pas, mais bon, merci. Tu te fais grave automoder, mais bref, tu pues, bah, temps normal, je comprends. Ah ouais, bah t'inquiète, Ryan, moi j'ai tout compris dans tous les cas, donc. Ouais, vas-y, avec plaisir. Vas-y, vas-y. J'ai pas envie d'envoyer du courrier si je peux me permettre, je m'en fous. Est-ce que je suis vraiment obligée? Purée, elle veut que j'écrive du courrier, mais on me pensait que je suis une écrivaine ou quoi? Je suis pas Claude François, hein. Il écrivait tellement bien, Claude François, c'était tellement un bon écrivain. Hein. Mais elle parle beaucoup, elle, quand même. Hein. Écrire une lettre, moi j'écris des lettres. J'écris des lettres à Dimitri. Ta maman. Ta tante. Oh, Leclerc. Et je vais mettre des points d'exclamation, comme ça il comprendra un peu mieux parce que. Faut tout lui expliquer. Je pense que je vais même lui en mettre à l'envers pour qu'il soit sûr. C'est parfait. Je te mets dans la cuisinière si tu continues comme ça. Dimitri! J'peps. Ouais, je sais, Shaima, en fait. T'as cru que je savais pas, en fait. C'est normal. C'est parce que je suis trop intelligente, du coup, je l'ai enlevé. Normal. Merci pour mes initiatives, la borne. Merci à la borne communale, en fait. Allez, hop. Qui vient de voler les bonbons. Mais bien sûr, il venait me voler tous les bonbons, Dimitri. Je sais pas pour qui il se prenait, mais... Il attend sa maman. Bien sûr que oui, il attend sa maman. Ça fait 10 ans. J'abuse un peu. J'abuse un peu. Ça fait au moins 3 jours. C'est riche ici. Vous avez tellement de billets de banque. Salut, Alex, en fait. Bienvenue sur le live de Samantha. Salut, Kana. Merci, en fait. C'est peut-être possible en fait, mais bonjour quand même. Envoyez du courrier. Résident à ma ville en fait. Hop les. Hop les. Ça part. Merci, je vais aller voir Marie tout de suite en fait. Je vais... Mais comment je vais faire? J'ai vendu tous les coquillages qu'elle voulait, les coquillages. Ça va être trop lent. J'ai vendu les coquillages qu'elle voulait. Bah écoutez, il n'y a plus de coquillages et puis voilà. Hein. Salut Dimitri, ça va comment? Salut toi, comment on se retrouve? Ça fait plaisir. Quoi de neuf Dimitri? Mais en fait, j'ai déjà tout dévalisé en fait. Tu crois que je suis en retard ou quoi Dimitri? Il me dit va faire un tour aux boutiques, mais... Ep, 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 en fait Dimitri, t'as cru que j'avais pas été déjà? Mais il croit que moi je suis une débutante. En fait je suis pas débutante, je suis professionnelle en fait. Donc c'est vraiment de la merde ces rochers là. Je savais que je pourrais pas leur faire confiance. Bah encore moins celui là tiens. Bah shit. Pourquoi il y a des pépites d'or en fait là dedans? C'est de l'or ou c'est de l'or? C'est grave de l'or en fait. C'est tellement des pépites d'or mais... salut la plage, est-ce que vous avez pas des trucs pour moi? Ah si, il y a un coquillage en fait, on va pouvoir lui donner à l'autre là-bas. À la bécasse de la mairie. Tellement un fossile ça, je reconnais. C'est où les autres trous en fait? Il y avait tellement de trous avant, à mon époque c'était pas comme ça en fait hein. J'étais un peu choquée, moi, mais bon. C'est où, en fait, la mairie, en fait? Elle est là-bas, purée. Toujours plus loin, eux.
Salut Margot, bienvenue sur le live de Samantha. J'espère que ça va bien. Le monocle, il fait tout bien sûr. C'est ma petite touche de déco faciès en fait. Merci à tous pour vos bravos. Merci, ça me fait plaisir franchement. Ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci à vous en fait. Tu penses quoi de Cohen, Samantha? Bah en fait Cohen, moi je trouve elle est super cool. Je trouve que vous devriez surtout aller voir toutes ces dernières vidéos qui sont sorties durant le mois de septembre en fait pour la soutenir en fait parce que c'est un peu bidé la pauvre donc vous devriez tous aller regarder pour remonter un peu ses statistiques parce que ça fait un peu tchep en fait. Donc voilà, après elle fait des super vidéos et tout et puis elle est super donc voilà. J'ai d'autres conseils s'il te plaît. Tu peux me donner d'autres conseils s'il te plaît. Je suis déjà allée en fait. Je suis déjà allée en fait les coquillages. Je suis déjà allée chercher ton coquillage en fait. J'y suis déjà allée chercher ton coquillage en fait. Tu m'entends? Tu m'entends quand je te dis j'étais prendre ton coquillage? Avec plaisir. Bah tiens, je l'ai ton coquillage en fait. Salut Tomusica, bienvenue sur le live de Samantha. Allez Marie, accélère en fait. T'as cru qu'on avait ton temps, on a plein d'argent à faire. Merci. Oh waouh, elle va me donner des superbes fruits qui vont valoir encore plus cher. Merci pour tes fruits, ça fait trop plaisir. Samantha va super bien, merci. Merci beaucoup, elle va trop bien. Voilà, super bien. Après, normal, en même temps, en votre bonne compagnie, comment voulez-vous que Samantha se sente mal, en fait? C'est normal. Allez, on va planter les arbres, les petits arbrisseaux. Moi, je propose qu'on plante ça en first, parce que c'est quand même plus important. Salut Lolo, tiré du bas, CNH3, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live de Samantha. J'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne journée. Ou ici, on est en train de planter des poires, parce qu'on est trop des poirières, donc... Voilà, on fait une petite poirière ici, regardez. Hop, on plante des poires. Ça fera deux arbres, ça fera grave une poirière. Si on met des oranges, ça fera des orangères. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si vous voulez qu'on fasse des orangères ou des poirières. Mais bref, je sais que vous aimez un peu tout, donc tu fais trop le poirier. Après, moi, je fais le poirier, mais que les jeudis. Et comme on est mercredi, comme on n'est pas du tout mercredi, qu'on est mardi, bah voilà. Voilà. J'ai envie de la marave, mais tu marave qui marie. Ouais, je comprends, moi aussi, regarde. Regarde, elle me saoule, j'ai envie de la taper, mais bon, je vais pas la taper parce que je suis plus à Leclerc. À Leclerc, je me permettais, je tapais les autres caissières et tout parce que elle faisait trop les folles. Mais là, je me permets plus parce que j'ai dit que j'avais été calme, en fait, parce que je me suis fait virer de Leclerc parce que j'ai tabassé les caissières. Donc, et puis Dimitri m'a rejoint, évidemment, mais ouais, en fait, là, c'est parce que, voilà, bon, vous en savez déjà un peu trop. Donc, je vais arrêter de parler parce que vous allez appeler la police après, donc, voyons qu'on déménage ici. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle? Ça cassait des grosses portes. Non, je cassais pas les portes en fait. C'est pas moi en fait. C'est pas moi. Trop une bagarreuse, mais vous vous rendez pas compte. Hein. J'ai perdu mon travail en fait. Je suis devenue mère, c'est mieux. Salut Nono et Valet. Bienvenue sur le live de Samantha. J'espère que vous allez bien. Tu peux m'expliquer, c'est quoi que tu m'as dit? Ouais. Les fossiles, ouais, je connais. Salut Namori, bienvenue sur le live de Samantha. J'espère que tu vas bien. Salut Lénia, bienvenue sur le live de Samantha, j'espère que tu vas bien. C'est comme ça ils font les gens quand ils live et tout. Je sais pas, moi je connais pas trop. Avec plaisir. J'en veux plus, elle va comme parler. J'en veux plus. J'ai compris. La pêche, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas de filet, donc ma belle... Bah ouais, mais j'ai loupé le premier poisson que j'ai voulu pêcher, donc... Ok, super, on va pêcher avec les poissons. Après, les poissons, c'est tellement plus facile à avoir que les insectes, de toute façon. Donc... Allez, on va pêcher. On va pêcher. Je vais pêcher par là. Ah, super, ça doit être un super poisson, Sky, ça. On peut pêcher de l'argent, vous pensez, dans les rivières de cette île super riche? Trop dur à comprendre comment ça fonctionne le mode de pêche. Purée! Il a l'air très rare ce poisson. Il a l'air super rare. Je suis un peu choquée de tomber dessus. En tout cas, j'ai tellement
de force dans ma pêche que... Il est super rare, c'est vrai. Purée, j'ai tellement de chance alors. J'ai tellement de chance. Est-ce que Samantha va réussir à pêcher d'autres poissons? Il y en a plein là, des poiscailles. Le pont il a pris feu je pense, il est tout noir de... Il a brûlé là. Purée, on n'aurait pas... on aurait jamais dû parler d'incendie hier sur le live hein, parce que regardez, ça a incendié le pont. Donc, c'était sûr en fait. Salut Cindy, comment ça va en fait? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live de Samantha. Oh my god! Une vandoise. Ça a l'air un peu éclaté comme poisson ça. Le bar il avait l'air plus rare. Ça c'est encore un bar. Oh waouh, une carpe. Je suis trop forte, j'ai pré-shot la carpe en fait. Merci Sandrea, franchement. J'aurais jamais pu réussir sans vos encouragements. Donc merci à tous. Merci pour vos encouragements qui encouragent. Bon courage pour tes devoirs, Ziza. Bon courage. Le pont en pierre trop inflammable. Bah bien sûr que oui, ça brûle et tout. Donc, c'est tellement vrai. Donc, voilà. Salut le chien. C'est Samantha. C'est bon, j'en peux plus, j'en ai trop marre. Sa mort, regarde mon journal. Elle m'a parlé de goujon, elle veut taquiner son goujon, celle-là, moi je la reconnais. Merci, elle me donne un arrosa. Mais oh my god, en fait. Allez Marie, allez le chien là, dépêche-toi, on va pas ton temps en fait. Je pense qu'on va pouvoir aller à demain parce que là j'en ai trop marre d'elle, elle m'a trop saoulée, oui. Et demain on m'a dit c'était mon anniversaire. C'est mon anniversaire dans le jeu, donc on va fêter mon anniversaire. Je suis sûre Samantha elle a fait des détournements de fond de l'event et ta cause pour pouvoir partir dans cette ville. Mais n'importe quoi en fait, vous êtes trop en train d'accuser pour rien. Si jamais ça se fait pas de tenir de telles accusations, mais bon. Vous êtes vraiment abusément abusant. Regardez lui là, ça se voit il a un tire-bouchon chez lui dans sa cuisine. Samantha en fait. Samantha. Waouh, elle est sur le tapis rouge, elle se prend pour qui? Elle a pris ma place en fait. C'est quoi le problème Marie? La musique, t'as cru que c'était ta mère ou quoi? Tu mets la musique là comme ça? T'es sérieuse? En plus on est demain donc t'es vraiment une menteuse. T'es demain et en plus il est 9h du matin. Toi t'es trop une menteuse. Non c'est pas ça en fait, il est 10h parce que je crois qu'il y allait... Ah bah non mais c'était grave ça en fait. On est le 16 et il est bien 9h du matin parce que les magasins ils sont ouverts H24 là. Salut Opia, bienvenue sur le live de Samantha. Bienvenue à tous sur le live de Samantha. Allons-y. C'est parti. J-peps. Petite pause de Samantha, faut que je me mouche. J'ai pépé de faire Samantha, c'est fatigant. Ah, c'est fatigant, ce sera plus drôle quand j'aurai l'effet de voix et la tête, comme ça ce sera marrant. Attendez, je me mouche, j'arrive. Bah ouais Samantha les gars, elle a tellement couru pieds nus qu'elle est malade. Purée c'est trop mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Samantha, c'est trop la reine. J'en peux plus. Oh my god. Oh ma tenue. Purée t'as raison Caliente. T'aurais pu au moins faire l'effet de mettre des lingots d'or sur les ballons en fait. Merci. Merci pour mon anniversaire. Avec tous vos copains. Et si tout est permis, on s'amuse bien. Samantha, ça m'amuse bien. Jaco, mais il veut quoi, lui?
Je m'en fous de ton Halloween en fait. C'est qui l'inconnu? Même ma mère elle me souhaite pas mon anniversaire. Purée famille de merde. Hé hey, qui s'installe devant ma maison? Mais je vais péter un câble en fait. Vous pensez que je viens m'habiter ici pour que quelqu'un s'installe devant chez moi en fait? Purée. Mais c'est comme ça que les gens ils s'installent en fait ici. C'est quand même dingue. Punaise. Oh moi je vous l'ai dit. On va se faire des sous. Mais en fait c'est personne qui m'a préparé mon anniversaire surprise. Je suis un peu choc-barre mais bon. Je suis un peu choc-barre. Samantha fête son anniversaire. Personne lui prépare un cadeau. Enfin je sais pas. Bizarre là team. Trop bizarre. Personne m'a préparé un cadeau d'anniversaire. De type anniversary. Donc je suis un peu choc-barre. Qu'est-ce qu'elle veut avec son arrosoir celle-là? Venez, on fait tous les fossiles et puis on va voir le mec du musée, comme elle a dit, la meuf chien. Qu'est-ce qu'elle a dit, la meuf chien, aujourd'hui? On n'a même pas été lui dire bonjour à la fille chien. Venez, on y va. My god, le mec s'appelait Numa, puis c'est Rinam, il s'appelle Havel maintenant. Choqué. Choqué. Ça te va bien autant, je peux me permettre. En tous les cas, même si tu me permets pas, bah, je le fais quand même. Parce que je suis Samantha, je suis trop la reine en fait. Bah après, vous savez, s'il veut pas partir, Mehdi, moi je vais faire partir par la force en fait. Vous savez, j'ai accès aux fichiers du jeu et tout. Donc s'il veut pas partir de lui-même, bah moi je vais le séquestrer dans ma cave en fait. Donc bon. Après, c'est comme il veut. S'il veut pas être dans ma cave, bah il se bougera le popoting. Et toc. On n'avait jamais mis les pieds ici ou wak? Tu Samantha t'as tout craché hein? Bah bien sûr que oui en fait. Normal en même temps. Bah ouais. Hop. Bref. Hop. Ça me rappelle une histoire qu'un jour un ami m'a raconté en fait. Et hop. Mais je dirais pas c'est qui parce que c'est un peu la honte. Donc... Purée, il fait frais dans cette ville. Je vais aller voir la fille chien, je vais lui demander ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous voulez, vous, à tous être ici comme ça sur le pont? C'est le rendez-vous du dimanche ou quoi, le pont? Purée, mes poirières, elles ont trop bien poussé! Pourquoi il n'y a pas de chauffage en plein air? Mais je sais pas, la vie de gueux, de fou! Ça devrait être la norme chez tout le monde qu'il y ait le chauffage en plein air. Salut la fille chien, ça va? Oui, j'ai fini de m'installer. Ok, la ville de Leclerc et tout. Ouais, ouais, tu dis beaucoup de mots. C'est trop administratif pour moi. Mais j'ai du temps en fait, dis-moi en fait, j'ai grave du temps. Hein. J'ai ma maison en fait, j'ai la confiance des administrés. Elle parle trop la fille chiante, t'as tellement raison Sandrina, franchement je pense que t'as jamais eu autant raison. Mais c'est bon en fait, j'ai grave déjà la cote de confiance. Les gens me font super confiance en fait. J'ai 100%, les gens me font trop confiance. Wouh. En temps normal, je suis tellement trop belle. Je suis tellement belle. Ah, oh, le conseil municipal en fait. Je sais pas, il nous fait chier celui-là.
Munichipa là, la rigueur, mais... Pff, merci tout le monde. Merci, c'est parce que je suis trop une bonne mairesse. Merci à tous. Merci à tous, en fait. Ça, c'est quoi? Bois de l'eau, gouttelette. Merci, merci tout le monde. Merci à tous en fait. Vous êtes trop en train de me nourrir, de m'abreuvoir et tout. Vous êtes trop des abreuvoirs, mais j'adore. C'est trop stylé d'être un abreuvoir. Salut Flojama, bienvenue sur le live de Samantha en fait. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi en temps normal. Allez, on va aller voir le... l'oiseau de nuit. Salut Marx, bienvenue sur le live de Samantha. Bah ouais, on est en compagnie de Samantha, mais normal en fait. Après, regarde, c'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit sur ma carte d'identité. Hein. Chez Samantha de Leclerc, en fait, c'est écrit. Attends, deux secondes. C'est grave écrit, Samantha de Leclerc, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il est pas réveillé dans son palais de luxe, en fait? Réveille-toi avec ton horloge dorée. Allez, en fait, le petit bout, là. J'en peux plus, tu parles trop. J'aurais dû demander à la fichière de gérer ça pour moi, en fait. À ma subordonnée de la mairie. Purée. Bon, allez, là. J'aimerais que t'examines mon fossile. Et je parle pas de ça, en fait, gros dégueulasse. Je parle de mes fossiles, en fait. Ils sont fous, ceux-là. Tous des hommes avec un Z, hein. Alors, donne-moi mes fossiles. Je vais les vendre super cher. Non, allez, pour toi, je te les donne si tu veux. Je te donne mes fossiles. Mais c'est juste pour toi, alors. Je te donne une donation. Tellement de cadeaux que je t'offre. Merci, merci. Tu peux te taire maintenant. Je vais aller chercher ma nouvelle tenue du jour parce que je suis trop sexy et raffinée, mais quand même. Un petit peu plus de décence que ça, s'il vous plaît. Et je parle pas d'essence de voiture, en fait. Je parle de la décence, mais bon. Allez, salut à tous, c'est Samantha. Je viens. Vous m'excuserez, mais en fait, maman m'a dit que les magasins ils étaient ouverts 24 heures sur 24. C'est du gros mensonge, en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Vous savez ce que c'est, en fait. Non, j'en ai marre de vouloir avoir des explications de ta part. La publicité est si mensongère. Oh, des menteurs. Moi, il m'avait dit ça et tout, et c'est même pas vrai. Bah, je pourrais grave vous faire un outfit of the day, mais je vous ferai un outfit of the day dans 15 minutes parce que c'est pas encore ouvert, en fait. Donc, vous comprenez, j'espère. Attendez, je vous ferai un outfit of the day juste après. Parce que je sais que vous vous attendez trop à ce que je vous en fasse. Hein, donc, je vais dire à l'autre... ton laveur, mais il veut pas me parler, donc... Bah écoutez, on va s'occuper, hein, on va faire comme on peut, on va aller voir la dame rose et puis on va lui vendre des choses, quoi, mais bon. Un peu choc-barre personnellement, mais bon. Ils avaient dit c'est ouvert 24 heures sur 24 et tout, et c'est des gros menteurs, j'ai jamais vu ça de ma vie, je vous jure, jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'ils veulent avec leur style, leur... Outfit and the mother of the doctor, bah bien sûr, en fait. Et tracteur. Je sais pas du tout ce que t'as écrit, j'ai inventé la phrase. Ça va les mêler, les vendeurs. Mais bien sûr, ça va les mêler. Après, je pense que c'était la boutique là qui disait que c'était tout le temps vrai. Je vais te vendre ça, 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 tout. Prends tout. Oh my god, je suis tellement rich. Tu diras, tu feras attention, il y a ton boys là-bas, il est en train de dormir, ma belle. Casse-toi, tire-bout, t'es trop moche. Samantha, mais oui, c'est moi. Salut, toi.
Salut en fait, c'est trop Samantha qui te parle ici, mais je vais attraper les insectes en fait. J'ai arrosé l'insecte. Mais il est où mon filet de con? Qu'il allait se faire le filet de Kong. Trop la collecte de Martine. Je sais pas qui c'est Martine en fait. Ah, c'est peut-être la meuf de la caisse que j'ai tabassée et ils m'ont viré. Merde, j'ai redit mes secrets. Purée, écoutez pas. Hein. Regardez pas! Regardez pas, regardez pas! Non, non, non! Eh, vous avez rien vu, je vous jure, vous avez rien vu. C'est pas du tout ce que vous pensez. Il s'est rien passé, donc Non, non, mais non. Il s'est rien passé, donc je pense qu'il y a erreur sur la... Non. Il y a eu erreur. Vous avez pas vu ce que vous avez vu, ok? Vous dites rien. Vous dites rien aux autres, s'il vous plaît. Est-ce que c'est trop honte? Vous dites pas aux autres, vous dites pas aux autres. Vous dites pas aux autres. Merci. Après, ce serait super, hein, s'il y avait des sauterelles. Je refuse. J'ai grave accueilli la sauterelle dans le filet là. Merci. C'est une erreur de ticket de caisse. Mais normal, après, bon, je travaille plus à Leclerc donc. Enfin, si je travaille, je suis maire de Leclerc donc bon, mais bon. Ne le dites pas aux autres SVP. C'est vraiment pour. Pas pour le dire aux autres, ça. C'est des secrets donc vous dites à personne. C'est trop de la merde la vie ici. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment de la grosse daube. On peut rien faire ici. Bah super, il y a les montres religieuses qui s'envolent et tout, mais on habite où là? On habite dans une insecterie ou quoi? C'est plus ce que c'était, hein. Mais en plus, ils ont dit que ça s'envolait plus en fait. C'est vraiment n'importe quoi, ils disent trop de la merde. On va aller voir là-bas dans l'insecterie de la caravane. Salut la loup, ça va et toi? Bah bien sûr Lolo, ça c'est pas trop... C'est qui lui? Eh, c'est le gangsta de la ville. Il a cassé ses loucaves ou quoi? Salut à ceux qui arrivent, bienvenue sur le live de Samantha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en train de découvrir ma toute nouvelle ville. Donc j'espère que ça vous plaira, merci ta France. Il sert à rien lui, je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'il veut mais... Il a cassé ses loucaves et après il ose venir me parler. Mais voilà, le feu de bois, je vous avais dit, il avait pris feu. J'avais bien regardé, il y a tout qui a été incendié. La marijuana, mais bien sûr qu'ils vendent la marijuana. Eh, c'est quoi ce truc tout ridé? Un gratin. J'ai pas envie de commander en fait. Je sais pas pourquoi je suis là en fait. Il avait trop une déco violette. Oh les petits piou-piou, les petits piou-piou. Les ponts, ils ont tellement pris feu. T'as vu, ils ont grave pris feu, les pongs. Mais pong. Est-ce que si je fais ça, il y a des abeilles de guêpe? Ça vaut combien, ça? Ah, j'ai tellement d'argent dans mon portefeuille. Je suis riche, en fait. Dis à personne et je suis un peu riche. Pas ce que j'ai voulu faire, je vous promets, c'est vrai. Parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu ici. Je sais même pas ce qu'on doit faire en fait ici. C'est fou ça. Oh my god. J'ai réussi à les capturer. Normal, c'est une nouvelle presse qui est répertoriée dans mon journal. Salut Emma, bienvenue sur la chaîne de Samantha. Au plaît.
j'espère que ça va bien, j'espère que t'es contente de me voir en live. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et que j'étais pas allée en live, donc... voilà, je vous dis trop les termes. Je vais aller vendre, enfin donner tous les insectes que j'ai capturés au mec de la nuit. Ah, elle a pas plus de batterie. Salut Mangoku, bienvenue sur le stream. Oh, sur le stream de Samantha. Salut Dimitri. Salut Samantha, je m'attendais pas à te voir ici. Au fait, t'avais quelque chose à me demander, quoi de neuf? La recommençante est tellement animée, j'adore ça. Bah après, si je peux me permettre, Dimitri, t'es vraiment tout seul dans la rue, donc je sais pas où tu sors tes trucs là, mais t'es vraiment un gros mytho. Hein. Vous avez vu comment il essaye de nous mythonner, c'est fou. On a plus que 6 minutes à tuer avant de pouvoir me refaire une beauté et que je vous fasse un outfit of the Demoser and Tractor, donc j'ai un peu hâte. J'ai un petit peu hâte en fait. Allez en fait. L'animation en question. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, ouais vraiment. Il est un peu fou. Faire une donation. J'ai tellement de bêtes différentes dans mon inventaire. Je pense que je vais devenir riche avec tout ce que j'ai récupéré là. Ouais, c'est tout pareil, Emma. Tout pareil. Mais c'est juste plus facile. Si jamais un truc qui est dans la commande qui a épinglé la meuf du stream officiel, elle avait pris le temps de le mettre. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a toutes les règles du défi et tout. Enfin, c'est pas des règles du défi, c'est ce que ça modifie tout ça. Mais j'ai bien envie de le vendre, le poteau doré là. T'inquiète, il n'y a pas de souci, Emma. Tant que Tom Nook il se dépêche en fait. C'est un peu long et les 5 minutes. Ça croustille un peu. Hein. Faut que je rentre dans ma petite baraque, non? Vend Dimitri, mais t'as tellement raison. Et vous trouvez pas qu'elle a grave raison, RL? Je pense que je devrais faire ça. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pourquoi elle s'incruste chez WAM? C'est pas comme les autres. C'est un petit peu plus spécial. Vends les œufs à Dimitri. Pourquoi les œufs, en fait? Quels œufs, en fait? 4 luxuries, mais c'est parce que vous avez pas encore vu ma déco. Et ouais, et toc. Et toc, tout le monde devrait être jaloux de ma maison. Marie est grave entrée par effraction. Par contre, j'avais dit à Tom Nook doré, hein, c'est vraiment je veux une piste sans toi, donc... fuck. Fuck. La maison de merde en fait. Purée de pommes de crotte. Je sais que c'est pas ça l'expression. Et ouais. Moi non plus je savais pas ça existait hein. C'est la meuf du stream là qui a la chaîne. Elle m'a dit tiens va là dedans. Je fais ok. Puis j'ai fait hein. J'ai tout suivi comme elle m'a dit. De toute façon ça m'entend. Moi je travaillais à la caisse du Leclerc. Donc vous vous doutez bien que moi ça je connais pas en fait. Un max d'impôts, mais vous pensez que je vais pas les faire payer, ne serait-ce que d'être habitant? Alors, d'être habitant en face de chez moi, mais croyez-moi bien. Venez, on les harcèle un peu. Salut! Mais elle m'apprend à secouer les arbres, elle a pas capté qu'il y avait plus du tout de fruits sur les arbres ou quoi, elle? Je les ai déjà tous vendus, ma belle. À méditer. Je pense que là, lui, va bien méditer, le médicace qui s'installe. J'étais pas à la caisse en fait, moi j'étais à l'accueil de Leclerc, j'étais pas à la caisse. Je me suis tapée avec les caissières, ils m'ont viré. En même temps la caissière elle a dit que mes chaussettes elles étaient pas belles, donc fallait bien que je me défende quoi. En fait y'a pas à faire des frayeurs comme ça et à faire un gros bruit sur l'ordinateur. J'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur en fait.
Ah, c'est mon allergie au cochon, ça. Alors. Bon, on va aller vendre, hein. On va attendre que ça ouvre et qu'il soit à 10h, en fait. Merci. Après, j'ai toussé, j'ai pas éternué, mais j'ai dit mon allergie, donc normal. Merci, Farine, en fait. Salut Clémiou, bienvenue sur le stream de Samantha. Bah écoute, je sais pas, on va essayer de le trouver ensemble, le but. Là, le but, c'est de rembourser mon prêt de ma maison, quoi. Je suis déjà tellement riche, bah ouais. Je viens de vendre ça. Venez, on achète tous les meubles ici et on les met dans ma maison, en fait. Parce que là, je suis un peu miskine. Moi, je pense que ça vaut 25 000. Au moins. Super, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit 25 000. C'est un cocotier. Merci le cocotier. Tu me dis cocotier, je pense pas. Tu penses quoi de viande? Bah moi je pense que la viande c'est bon. Mais pas tant, que ça en fait. Ça me fatigue, vous pensez trop. J'adore faire ce personnage. Bah c'est pas un personnage en fait, c'est Samantha. Ça me fatigue de fou. Salut Pauline en fait, bienvenue sur la chaîne. Et merci aussi à Mimix pour le follow. Vous êtes grave arrivé sur le live de Samantha. Bienvenue sur ma nouvelle vie. Oh purée de pommes de terre en fait. Je vous avais dit quoi ce matin en fait? J'avais dit larve agressive, elle va venir, elle va dire qu'elle va cuisiner une petite tartiflette. Ça donne pas trop envie? Bien sûr que si. J'avais pré-shot ce matin qu'elle allait dire ça. Il est quelle heure? Il est 10h en fait. C'est archi l'heure d'aller acheter ma nouvelle tenue du jour. C'est la tenue du jour en fait. Attendez, d'abord je dois mettre mes nouveaux meubles de ma maison. Ma toute nouvelle maison, vous savez. Je posais le lit. Ils savent pas poser des lits de toute façon. Voilà, comme ça c'est bien là. Le lit, il a volé. Je vous jure, il a volé. Je vais poser le casier de rangement. Hop. Salut Pastel Lunaire, t'inquiète, y'a pas de soucis, t'arrives quand tu peux. T'inquiète pas. Bienvenue sur le live de Samantha. Aujourd'hui, on décore ma maison et on va aller se refaire une petite beauté parce que je suis mal habillée. Comme tu peux le constater, je ressemble à que dalle là. Donc, y a pas de problème, tu arrives quand tu peux en fait. Voilà. Ça vend même pas des king size, mais c'est un peu la honte. Franchement, ils pourraient au moins vendre des lit king size quoi. Un peu mimi la maison quand même. Merci, c'est moi qui ai décoré avec mes talents de décoratrice. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça encore? Je la prends quand même, ça vaut peut-être 10 milliards. Tu m'as viandé. Je vais jouer à New Leaf normal. Je vais aller voir le mec d'ici là, le Nook Immobiliax. Et je vais lui dire bonjour. Hein. Bonjour, hein. J'aimerais améliorer ma maison. Ça va, c'est pas si cher ma maison. Après, je vais aller au DAC. Vous avez vu comment il me parle alors que j'écoute pas ce qu'il dit? Bye. Je l'avais grave oublié, le mec qui m'a arrêté pour me dire bonjour, je suis dans la lampe. J'avais oublié. Allez, Opélie! C'est quoi ça? Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Éponger ma dette. Normal. Bye. Salut Alicia, bienvenue sur le live de Samantha. C'est parce qu'en fait on est dans une ville de riches. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a le message épinglé ou sinon il y a point d'exclamation ACWL. Dans le chat. Il est pas très utile. Hein. Non, c'est vrai. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations.
C'est un donation goal de l'événement caritatif, en fait. Je suis un peu en RP Samantha aujourd'hui. Tellement belle Samantha en même temps. Moi, j'avoue rien. Ma gorge, elle a roté alors que... Enfin, c'est même pas ma gorge, c'est genre ma trachée. J'espère que vous avez entendu, c'était un peu marrant. C'est à force d'avoir crié sur les meufs du Leclerc, ça. J'en pouvais plus. Bon, allez, c'est le moment de d'être une star. I'm a motherfucking star. Salut Dimitri, t'oublieras pas de rendre les bonbons au Leclerc. Il en a tellement volé, je vous jure qu'il a volé tout le stock, en fait. Des bisous, Mimi, en fait. Passe une belle soirée. C'est tellement une tenue de dame, ça. J'adore. Le petit... Elle est trop belle, la nouvelle jupe que je vais m'acheter, là. J'adore ma nouvelle robe. Je suis m'habiller avec ma nouvelle tenue, regardez. Je suis sexy. C'est la robe de des princesses en fait, des princesses. Regardez, c'est tellement sexy. Je pense que je peux mettre ça en chapeau. C'est exactement ce que je cherchais, je pense. Ça fait tellement riche. Alors là, en fait, si vous voulez, j'associe quelque chose qui me rend intelligente avec une robe sexy, raffinée. Donc, voilà. Prenez-en des notes parce que c'est important. Samantha, elle a tellement de goût. Ça, c'est trop moche, par contre. Je sais pas qui l'a mis là, mais la vie de ma mère, je vais l'acheter parce que ça coûte cher. Je suis tellement diplômée. Normal. Je suis tellement diplômée. Vous vous rendez pas compte, en fait. Vous pensez trop, moi, je suis quelqu'un de trop bébête. En fait. Mais pas du tout, je suis trop intelligente. Et je crois que oui, en fait, Achille. Je crois que oui. Je peux grave acheter son parapluie aussi. La meuf, elle est pieds nus. On dirait elle sort de la douche. Je peux avoir deux places là-dedans. On va tout vendre maintenant. Slay! Je crois que tu peux juste bien aller voir des gens, les tortimères avec les autres et les visites. Quoique. Tu peux plus mettre à jour, mais je crois que tu peux toujours visiter. À quoi connaître ce que c'est connexion? Hop là! C'est tellement réel. Je viens vendre toutes mes affaires. Je vends la lampe. Tellement pas grand chose. Ça liquide Max, comment ça va? Bienvenue sur le live de Samantha. J'en peux plus d'être Samantha. Ça fait combien de temps que je suis en RP Samantha? Ça fait plus d'une heure là. J'en peux plus. Bon allez, reprenons un peu de sérieux. Par contre, trop drôle hein, Samantha, Dimitri. Je l'avais pas pris encore le criquet. Faut que je le mette au musée. Purée, Samantha, Dimitri là. La probabilité pour qu'on ait l'habitant Dimitri sur l'île, s'il vous plaît. Trop drôle. Par contre, les musiques, elles sont vachement sympas. Oh, oups. Désolée, ma belle. Mais non, c'était pas moi, en fait. Samantha. Salut, Yuki, comment ça va? Alors, ça a été ta séance, c'était bien. T'as rien fait, en vrai, ça crève. Hein. Je crois que c'était Fluffy qui avait... m'avait dit, elle avait testé et putain c'est essoufflant. Bon, un peu plus de sérieux. Bonjour à tous. Oh, je baille.
vous teste actuellement suite à un donation goal de l'événement caritatif Et ta cause. Toujours pas là lui. On teste la ROM hackée du jeu Animal Crossing New Leaf qui s'appelle Animal Crossing Welcome Luxury, où en gros tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus cher, beaucoup plus riche. Les bâtiments sont en marbre noir et en or, tu vois, enfin que des trucs comme ça. C'est assez marrant. Les poissons, normalement, quand tu cours à côté, ils s'enfuient plus. Normalement, les insectes non plus, mais j'ai cru voir que quand je passais près de la fleur, là, le truc s'était envolé. J'ai mal aux jambes, bah ouais, tu m'étonnes. Ça m'étonne vraiment pas. Mais je pensais pas que c'était autant que ça, le Ring Fit, là. Regardez, il y a lui qui s'installe devant chez moi, s'il vous plaît. Putain, j'en ai trop marre, à chaque fois, c'est comme ça. Puis, il y a une meuf qui a parlé, là. Les poissons ils mordent du premier coup, donc tu sais déjà dès qu'ils vont mordre que c'est ça quoi. Ok, ils vont te... C'est pratique. Petit saumon rose. Ouais, je trouve ça assez marrant. Ouais, va revenir la lampe. Je sais, je sais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il veut que je l'emmène chez moi, mais on va date là ou quoi? Attendez. Mais attendez, j'emmène un mec en date en fait. J'emmène grave un mec en date chez moi. Viens voir ma maison en fait. J'ai un lit dans ma maison. Tu vas trop vouloir aller dedans, je reconnais. Il est trop comme ça, c'est un cochon de toute façon. Bienvenue dans mon humble demeure. Je t'invite à regarder. T'en penses quoi? T'aimes bien? T'aimes bien ou pas encore? Pas de fou. Ah, je pense qu'il a l'air d'apprécier, non? Vous pensez quoi? D'accord, je peux y aller maintenant. J'en ai marre de t'avoir chez moi, tu m'as saoulé. Ok, bye le RP. Coucou Astior, je savais pas qu'il y avait des ROM Mac. Bah écoute, moi non plus avant très récemment. Et pourtant celle-ci elle date de 2019, donc elle est quand même pas très récente. Ça fait déjà 5 ans. Je n'avais même pas connaissance de ça en fait. Ça a été très peu diffusé. Mais Thierry, il a grave fait vite, il est grave sorti de chez moi. Ça me surprend, alors je sais que c'est la première fois qu'ils vont mordre. Un barbeau. Mais j'ai là les trucs à mettre au musée. Salut Joanie. Julie. C'est qui Julie? Je m'appelle pas Julie. Je m'appelle pas Julie. Une Juju? Non, Nico. Tu pêches quoi, toi? Bah, des fois, je comprends pas certains. Comme ce matin, le mec là qui débarque sur mon live, il me dit t'es déguisé en quoi? Je sais comment ça, je suis déguisé en quoi? J'ai l'air d'être déguisé, gros con. Bizarre le déguisement. Il s'est mangé un ban. J'ai écrit gros con en commentaire modo. Je pense que ça lui va bien. Déguisé en quoi? Putain, j'aurais grave pu sortir un truc drôle. Mais ça aurait été offensant. Donc. Bref. Oh, il y a un poisson. Hein. Il y a bien un poisson dans la rivière. C'est un truc que j'aimais trop faire. Je me sentais trop aqueuse quand je faisais ça. Avec le bouffon là, il tombe. Oh, j'ai loupé le poisson. Non, ça m'entend gros con. Genre t'es déguisé en quoi il m'a sorti quand même. J'ai pas compris en fait.
Ah, ton père. Le poisson dans la cascade, il m'a archi feinté quand même. Je l'avais pêché. Non, j'ai fait que de nouvelles prises. Mais le pont, il a archi cramé, hein. Un chevesne. Ils sont vraiment mimi, les petits poissons, là. Ça, la première fois que j'ai pêché des poissons sur New Horizon. Oh là là, comment j'ai badé devant tous les poissons tellement ils étaient jolis. Quand tu passes de New Leaf à... aux beautés qu'ils ont, enfin au travail qu'ils ont fait quand même sur New Horizon, hein, sur tout, hein, esthétiquement parlant, ils ont vraiment géré ça. Hein. C'est vraiment très très beau. Ouais, je pense, sœur. Hein. Je pense. Je sais pas si ça vaut plus cher. Putain, il y en a des Boskai là, ça fait que popper ici. Ah putain, il était super rapide. Oh my god. Le ballon, il est... enfin le cadeau, il est tout noir. J'ai pas de lance-pierre. Il a mis un briquet devant son P. Ah peut-être, ouais, ça m'étonnerait pas trop. Putain, on a passé la... il a passé l'après, mais le pauvre va m'écouter dire tout et n'importe quoi. Quand je vous dis tout et n'importe quoi. Faut nous voir faire les essais de test de micro. quand on est... Parce que là, cet après-midi, j'ai essayé de régler mon micro et je pense que j'ai trouvé un réglage qui me convient bien. Il m'a l'air vraiment cool. Enfin, en tout cas, je trouve bien pour l'utilisation que j'en ai de ce réglage de son de micro. Et il a passé l'après-midi à m'entendre dire des conneries pour que je puisse entendre mon retour de son. Et que je puisse... enfin, fallait que je parle pour que j'entende mon retour son, quoi. Et que lui, il me dise aussi si c'est bien et les... quelle gamme, quel hertz. Enfin, sur quelle fréquence décaler certains trucs ou pas. Salut, Tessie. Et enfin bref, fallait voir, enfin fallait nous voir parler. J'ai pêché combien de poissons là? J'en ai pêché pas mal en vrai. Il y en a 7 différents quand même. Je sais pas combien il y en a. T'as un filet pour le ballon. Oui, mais je peux pas l'avoir, c'est quand t'es en haut de la falaise là. Je peux pas péter le ballon au filet. Ça marche pas, ça, si? Ou que sur le pont, non? Y a pas un truc comme ça? C'est au niveau de la falaise. Ouais, c'est en haut, hein. Quand il monte, là. Ou quand il descend, je sais plus. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quand qu'on débloque le... l'île Tortimer ou pas? Venez où t'étais? Ah, de la plage, ouais. J'avoue. C'était là, ouais. Je cherchais. J'allais appuyer sur Start, enfin sur menu Home. C'est tellement pratique le time travel comme ça. C'était dans le jeu lui-même, tu pouvais changer la date. C'est tellement mieux que de devoir bouger toute la date de ta console, là. Je sais pas pourquoi ils ont pas repris ça. Des bisous, dessine bien Yuki. Profite bien. La musique, le tapis rouge ou Marie, tu hurlais. Bah ouais, on peut t'aider comme ça. Mais dans tous les jeux, c'était comme ça. Il n'y a que New Horizon où ça a changé. D'un côté, c'est un peu logique que ce soit avec l'heure de la console. Parce que si tu changes l'heure de la console, ça change aussi l'heure dans le jeu. Tu peux juste t'aider dans le jeu. Ça, c'est cool. La musique, elle est royale, hein.
Imaginez, je me fais striker sur toutes les musiques de fond durant le live et je peux rien monétiser. Ah voilà le tortimer. C'est ce que je demandais. Ah non, tu peux tester. Vous entendez les clics de ma souris quand je fais ça? Je crois que mon noise gate il vous empêche d'entendre tous les trucs à la con. Même les bruits des boutons quand je joue. Vous entendez ou pas quand je clique? Avec la manette, non, vous entendez pas, je crois. Quelle beauté, ma baraque! Même pas une lettre d'anniversaire de ma mère. Si ça ce n'est pas être choqué, je ne sais ce que c'est. Il y a une maison stylée en vrai. J'entends pas, ok, bon, tant mieux alors. Tant mieux si vous entendez pas. My god. Salut Mehdi. Ma tenue, c'est pas possible, hein. Je suis tellement en mode étudiante. Mommy, Choukor, un peu, hein. Faut qu'on aille à la mairie et qu'on aille voir l'île Tortimer. Ils ont poussé les arbres, j'ai même pas fait gaffe. Oh là là, la mairie, quelle beauté. Je trouve ça terrible d'avoir tout en noir, comme ça, ça se voit de fou que c'est désaturé ou qu'il y a un truc qui est bizarre dans la texture des meubles et tout. Il est trop moche. En vrai, ça va, Mehdi. Il est pas beau, mais... C'est juste un chien avec les poils longs, quoi. Je vais mettre l'arrêté du charme. Arrêté. Salut Yo-Yo, comment ça va? On va mettre l'économie. Les fleurs ne fanent déjà pas. Et là, grand projet, voilà. Exactement. L'inflation des prix. En fait, on a déjà le charme d'office. On a juste des déchets encore. Voir les travaux publics, on a quoi? Vas-y, fais voir. Les trucs, là, la couleur qu'ils sont. Des bisous Coxy, merci d'être passé. Salut Rocky, salut Ninette. Rien ne va. Oh putain, elle est royale. Putain, il y a des chaînes en or sur la bande incendie. En vrai, la fontaine, elle est stylée, hein. Les ponts, ils sont ignobles. En fait, on dirait même pas qu'ils sont noirs, on dirait vraiment qu'ils ont brûlé, tu sais, vu qu'on connaît. On sait exactement la couleur qu'ils ont d'habitude, c'est très perturbant. Mais tout est so rich, normal. Bon, on verra plus tard ça. On va aller voir le merlu. Putain, c'est vrai que j'ai un seul pont. Il y a tellement de trous. Le tire-bout, il me dégoûte. Faudrait-on qu'on mette un pont juste en face, là? Ça sert à rien, en fait. Faut que j'aille juste là-bas. Pourquoi je suis allée de l'autre côté? Un pont en face et un pont sur le teco. Ça pourrait être vraiment pas mal. Faut en mettre 3 de toute façon. Regardez pas. Salut Béranger!
Salut Tortimer. Ah mais il est toujours pas là. Alors c'est pas ça que je voulais faire. J'ai une faire pipi. Mon frère. Salut mon frère. Ça c'est ma soeur. Vous êtes trop là en mode... Bref. Ouais ça avance, écoutez là, on avance petit à petit en fait. On va aller voir dans la vallée commerçante, dans la rue commerçante et après j'irai faire pipi vite fait. J'espère qu'il y a au moins un truc en travaux, genre la boutique ou je sais pas quoi. J'espère qu'il y a un lance-pierre, ce serait bien qu'on ait les ballons. Ah bah quoi que dans les ballons, en vrai il y a rien non. Je sais pas, on va peut-être avoir des sous et tout, il y a pas de sous dans les ballons. C'est quoi, c'est juste les vieux objets des ballons là. Truc moche non. Il y a rien qui se construit là, jure. Aïe aïe aïe, c'est plus ce que c'était. Hein. On est trois frères et sœurs. Le petit smiley béant, je suis jolie. Le. Oh le chapeau de loup. Je me rappelais pas qu'il y avait ça. Ah, mais c'est pour Halloween, non? Elle est cool la musique là, je l'aime bien. Les emojis robots. C'est un truc d'Halloween, non? Fais voir. Je prends. Il est super. Mauvais souffle. On ne peut pas plaire à tout le monde. Un lutteur. J'ai hâte de ressembler à un lutteur. C'est tellement terrible. Ils sont horribles. Mais c'est quoi ça, Achille? R? Mais ils sont ignobles, vos emojis de merde, là. Vous êtes trop en cosplay emoji moche. Ça marche, moi, je le vois. Les lunettes. Ils sont trop moches, vos emojis. Comment ça, de merde? C'est grave de la merde. Je me permets, hein. C'est un peu drôle. Moi je crois que j'ai pas ça. Je crois que j'ai le petit truc Twitch, non? J'ai quoi moi? Est-ce que vous pouvez choisir? Ça pouvait changer. Il y a le petit singe et tout. Ah. J'ai le petit truc de Twitch, ouais. Roxou! Comment ça va? Bah tu peux pas te permettre. Mais j'ai dit je m'en fous, je me permets quand même. Action Fels! Pourquoi elle s'appelait comme ça? Quelle erreur. Action Fez. Samantha, elle slay tellement, mais vous dites trop les vraies vérités vraies. Vous pouvez être fiers de vous, de dire autant de vérités. 2 mois. Pendant encore 2 mois, ce nom de ce superbe nom créé par Shaima. Une fucking douche. Je vais lui vendre des trucs. Tant pis si c'est moins cher. Je crois qu'il donne combien? C'est 20-25% moins cher? 14 000, ouais. J'aurais pu avoir beaucoup plus. Mais on veut acheter la douche. Ça coûte cher ça, que 2000 la vache. Après ça aurait coûté tellement genre 300 000 sur New Leaf, New Horizon. Alors écoutez si cher. Ça me fera toujours aussi rire. Axon fesse. Un peu trop normal. Axon fesse. Mais du coup, là, la rareté que j'ai mis, je crois que je vends pour 20% plus cher. Donc, ce qui fait que tout va être plus cher. Mais je crois que... Alors, je crois que c'est juste sur New Horizon. À l'achat, tout est aussi plus cher. Mais tu vends pour plus cher. Donc, en fait, si t'achètes rien chez toi, tu gagnes plus. C'est pas des rats. Ah bah là, c'est vraiment tout sauf des rats. Hein. Je vais aller rembourser mon prey.
Mais je sais même pas si je peux directement aller au DAC pour rembourser là. Je vois Tom Nook qui me débloque le dialogue. I'm a prey. Opélie en tout cas, elle est... Non, je peux pas, faut que j'aille voir Tom Nook avant. Tu. J'ai trop envie d'aller sur l'île de Tortimer là parce qu'il y a... On va grave faire les excursions, on va ramasser tous les fruits, on va aller revenir, on va revenir les vendre. On va se faire tellement de thunes. Oh putain. Le pote de Roulia. Au secours. La musique. Hé, 100 000, j'ai pas assez. Je pensais que j'avais assez, mais j'ai pas du tout assez. Bon, je vais faire pipi, j'arrive. Petite pause, à tout de suite. J'aime bien la musique. Ok, rebonjour en fait. Ok, bah venez on tétait en fait. Parce que là, on peut rien faire d'autre. Elles sont mimes, ces petites émotes là. Du petit Sanuki, enfin du raton laveur, hein, littéralement, qui danse. Après, c'est vrai qu'il y a une commande samba en fait. Trop viande. Bonjour à chaîne infiniment coquette. Bon pipi, c'était un bon pipi, ça fait du bien. Voilà, on trouve à côté de sa maison. Samba sur vos yeux. Samantha, le retour. J'en veux plus. C'est le retour de Samantha. En chantier. Mais Marie sur son petit tapis rouge, je vais hurler. Autre chose. Mais c'est fou, moi, je vous jure, ça me perturbe tellement. En fait, je connais tellement le jeu par cœur que je sais quelle couleur a telle chose ou telle chose. Et du coup, je sais d'office que c'est juste un truc qui est désaturé. C'est super perturbant. Ils sont bizarres les couleurs. Bah ouais, c'est normal. Ils ont eu la tour changée. Allons-y. Salut Avora. Comment ça va? Elle est trop cute, Marie, OMG. Oui, elle est trop mignonne. Pas comme d'hab. Salut Tnaola, comment ça va? De maman, bah ça y est, elle daigne à m'envoyer des lettres, elle. Je pourrais être morte depuis 8 ans, elle aurait jamais capté. En fait, c'est bon, on va juste aller voir là-haut. On va foutre les fruits par ça. En fait, je vais poser tous mes outils là. Touron, touron. Bah, allez là, une petite construction, je sais pas.
j'avoue. Après, bon, ils peuvent pas tout modifier non plus. Attendez, il faut qu'on fasse des trucs. Toujours pieds nus. Bah oui, j'ai pas de chaussures. Ça voudrait dire que là, j'aurais dû garder leur vieille ballerine. Mais vous avez vu quand même la gueule des ballerines, même en 2012-2013, c'était plus à la mode, ça. Si ? Les ballerines comme ils nous ont donné, là ? Les trucs violets, comme ça ? Fluorescent, comme ça ? Je suis pas sûre. Je vais déjà les vendre. Heureusement que ça, c'est là. C'est vraiment tellement proche. La mode de fou, c'est vrai ? Mais Blaise vient là, mais vraiment. Mais il va arriver après, là, mais... Salut, Geruto ! Comment ça va ? Salut, ma belle Risette ! Je viens te vendre ça. Allez, hop. $7000, c'est tellement riche. C'est vous, en fait, c'est ce que je pense qu'elle me... Ah, mais en plus, il y a le boost de 20%, en fait, je suis bête. Il y a l'arrêté de charme. Attendez, on a dit d'abord la rue commerçante. Se gratter sous les pieds. Ça croustille sous les pieds, je dirais, moi. Ça va bien, merci. Ah, le petit pouf, il est trop beau. Côté patchwork. Il est trop mignon. J'ai tellement pas envie de décorer ma maison. Oh, pas grand chose en vrai sur cette île. On va juste s'amuser à rembourser le prêt, etc. Ce sera déjà bien. Ça va aller vite en vrai. On verra après. De toute façon, je garderai la robe et puis si on y retourne, on y retournera. Le retour de Samantha. Ah, la robe, elle est rose. C'est quoi la robe rose? Ah non. Bon, merci en fait. Je vais pas mettre ça quand même. Ah, la tenue, elle est horrible celle-ci. Un pull corsé. Les devs qui ont fait le jeu. Sacré goût pour la mode, hein. Je me permets. Oh, une héroïne, pourtant c'est vrai, t'as raison, Révin, je devrais grave la mettre. J'aurais dû mettre ça avec le chapeau loup là. Bisous, Zu. Tu files, RL ? Des bisous. Ah ! Il y a trop le chapeau qui va avec la tenue. Mais il est vert, ça va pas. Quel dommage, je l'aurais carrément mise sinon. Ah non, tu dis bisous à Shaima. Des bisous, Shaima. Tu te foutais de sa gueule en fait. C'est ça ? En fait, RL part pas. On est perdu, je pense. Je fais des bisous. Bah, après, tu peux lui faire des bisous quand même. Hein. Si elle est d'accord, bah, fais-toi plaisir. Hein. Bizarre. Achète tout pour acheter tout pour revendre. Mais en fait, je pense que je revends plus cher que ce que. Que ce que. Je dépense. C'est les affaires, vous pensez quoi? Après, si j'aimerais bien, j'achèterais directement le montant qu'il faut pour débloquer la boutique d'après, mais... Comment vous dire qu'il n'y a pas assez d'objets? Allez. Allez, on va revendre et puis on va aller faire les fruits. Les fruits, en français? Tout à fait d'accord avec ça, de toute façon, les fruits en français. On veut les galeries, bah tu fais vraiment pas si bien dire. Salut la meuf rose. La fille chien. En vrai, le fauteuil, je vais le garder, il est trop mims. Je vais le mettre dans ma maison. Je sais pas si j'ai dépensé autant. Peut-être un peu moins. Hein. Mais dans les paramètres, enfin dans les explications, je pense qu'il n'y a pas tout en fait. Il doit manquer des trucs. J'ai l'impression que c'est super long de ramasser les fruits dans ce jeu.
surtout dans le sens où il faut refaire les stacks après. Ça c'est un peu chiant. Quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des paniers. Salut Juna, ça va et toi? Comment tu vas? Moi ça va bien, merci. Ça me dérange pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Irel est d'accord pour les bisous. Bah après si elle le dit, sois petit quoi. Ça se galoche dans mon chat là? Comment en fait? Comment ça en fait? Un peu de décence, pas devant tout le monde. Ou un peu d'essence devant tout le monde. Si vous voulez. C'est terrible. Un petit décalage son. Ah. De quoi? Du micro? Du son du jeu? Parce que même moi j'ai l'impression d'avoir un décalage du son du jeu un peu. Mais je pense que c'est juste New Leaf qui est comme ça. Elle me fait peur la fille qui parle à chaque fois. Du son du jeu, mais moi aussi je l'ai. Mais je peux rien faire pour ça. Genre ça c'est très léger mais t'as genre grave l'impression qu'elle ramasse les fruits après le bruit ou un truc comme ça. À moins que ce soit vraiment plus que ce que moi je pense que vous avez. Ça veut rien dire ma phrase. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un décalage aussi mais... Et je crois que New Leaf a toujours été comme ça, si je dis pas de conneries. Oh putain, mais tous autour de ma baraque. Oh putain, Elvis. Bon alors lui... Lui c'est le bourge par excellence. Bah non, je pense que c'est... entre guillemets normal. J'essaie de te faire de l'ombre, mais tellement. Des bisous, des bisous, des bisous. Ouais, ouais, quand elle ramasse et quand elle se couche, je suis d'accord. Putain, ta gueule. Laisse-moi tranquille. Je m'en fous. Fichu. Ouais, Dimitri, il est trop beau. J'ai fait les arbres d'ici. Oui, je pense que oui. On va aller voir en bas. Bah en fait, je pense, Reveline, c'est parce que quand t'es habitué, tu le captes pas. Je pense que c'est par rapport à New Horizon. Les sons, ils sont pas synchronisés de la même manière. Mais en tout cas sur, sur Emu, j'ai toujours eu cette espèce de micro-latence de son. En fait, l'action est faite et le... Genre là, j'appuie et seulement maintenant, t'as le boop. Mais parce que c'est... Elle met du temps. Elle se baisse et après seulement. À moins que ce soit vraiment pas synchro du tout et qu'ils l'entendent pas, mais... Je peux pas le... Là, je peux absolument rien faire pour le coup. C'est pas comme le son de la Switch. Parce que le son de la Switch, il est pas géré de la même manière. Je regarderai la rediff et je verrai. C'est plus que ça, bah je verrai comment je peux faire, mais... Peut-être l'ému, hein, franchement, ça m'étonnerait pas tant. Putain. Il est trop chiant, laisse-moi. Excusez-moi, mais ça c'est trop mignon par contre. La cheminée là qui fait de la fumée étoile. Ah, je trouve ça trop chou. Le POV comme ça, il est trop bizarre en vrai. La caméra fait trop un bruit bizarre. Enfin, un sens bizarre. Je l'ai pas vu lui. C'est trop mimi, j'adorais ce genre de truc là. Mais c'est bon les moustiques, il y en a 110 000 quoi. Putain. Je sais pas comment m'en débarrasser là. Je
sais pas en fait, ça coûte combien une orange? C'est genre 2500. Ouais, de fou, c'est trop mimi en vrai. Bah, dégaine, je suis toujours pieds nus là. 1000 clos, bah vas-y, emmène-moi. Là où tu veux. J'irai où tu iras. Ton pays sera toi. Ça aurait été trop mime, mais il y avait pas. Oh, mais c'est quoi le drapeau qu'il a mis? J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est trop moche l'écran du bas. J'ai tellement économisé des médailles, j'aurais pas besoin de faire les trucs de médailles pour jouer en ligne là. Oh my god. Même ici c'est changé. Oh là là, salut Anaël, comment ça va? Comment vas-tu? Vous avez vu? Merde. Je vais pas faire ça. Vous avez vu les bouées là? My god. C'est tout doré et tout. Désolée, je voulais juste me mettre en lurk chez les copains. Pour les points de chaîne. Voilà. Eh bé ? C'est les petites bananes. Ils sont trop mimes les bananes. Ça se voit, c'est des mini bananes. C'est trop moche sur l'île. La musique. Je me demande d'où il les a chopés les remix par contre. C'est intriguant un peu. Ça fait un peu triste. Ouais mais bon. C'est riche hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. J'ai trop peur de me faire striker au monde, enfin à la rediff pour les musiques par contre. Je sais pas du tout si c'est des musiques qu'il a achetées, tu vois, je sais pas. Je pense pas parce que c'est vraiment à but non lucratif. Mais ça serait interdit à partir du moment où, où ce serait à la revente, mais vu que c'est un fan game. En V2V. Les petites bananes. Il va déjà être 19h. Vous savez que ma journée elle est passée trop vite. Ah mais j'ai un truc à manger dans mon frigo. J'en ai fait 3 midi. Ouais, l'inventaire il est minus 15, c'est terrible. Et puis ça se focus pas. Enfin ça se focus pas, ça se stack pas. C'est un peu terrible. Oh, on n'a plus ça sur la scène, hein, justement. Renan Haché. Je me suis fait du riz. Et j'avais une petite boîte de... Alors, un peu cocasse la situation. J'ai une boîte de conserve de ratatouille. Qui était, alors, qui était en boîte, hein, donc bien fermée et tout. Qui a été périmée depuis le 31 août. Et je me suis dit, bon, en vrai. Oh my god, les papiers. En V2V, ça se périme pas vraiment, quoi. C'est des conserves. Ça y est, quoi. Donc j'étais là en mode petite discussion avec ChatGPT. Oui, ChatGPT, est-ce que tu sais si c'est bon, je peux toujours la manger et tout. Et ChatGPT m'a dit, mais oui, tu peux toujours. Ne t'inquiète pas. J'étais là en mode ouf. Du coup, j'ai mangé ça. Et c'était très bon, ça avait le même goût et tout. C'est tranquille, les boîtes de conserve. Ouais, en vrai, ouais. Par contre, l'ornithopère là. Reviens, grand fou. En vrai, ça va un mois. Puis du coup, bah, j'en ai fait un peu trop. Enfin, j'ai fait. Je pensais pas faire autant. Mais en fait, c'est une grosse boîte. C'est une boîte pour 3-4 personnes. Putain, pas mal. Après, en général, ça, je les mange toutes seules. Mais c'est des boîtes, mais. En fait, ça fait pas tant en vrai en quantité, tu vois. Je trouve pas que je mange trop quand je mange une boîte. Mais là, vu qu'il y avait du riz en plus, et j'ai pas fait tant de riz que ça.
Mais enfin bref, du coup, j'en avais fait un peu de trop, du coup j'ai mangé ça ce soir. Y'a pas des requins? Riz et ratatouille, ça cale bien haut, en vrai, de fou. Puis ça va, ça me fait manger un peu de légumes et tout, parce qu'il y a plein de légumes dans la ratatouille, là. Il y a tellement de légumes. Timir m'a causé de toi. Ah non, je voulais rentrer sur mon île. Il y avait cache-cache. Allez, on s'en fait une petite. On va récupérer tous les fruits de la map. C'est vraiment pour ça uniquement. Parce que les fruits valent super cher. Parce que là, oui, du coup, j'ai tout débloqué. En fait, j'ai tout débloqué, sauf... En fait, je sais pas, c'est bizarre parce que les projets publics ne sont pas débloqués en entier. En plus, c'est bon, ouais, de fou. De fou, de fou, de fou. Par contre, du coup, j'ai que des litchis. Bon. On va faire la carte du bas en premier. 8 minutes, ça va. Pendant que je ramasse, si vous en voyez, vous me dites, on va aller chercher. C'est la meilleure truc, ça, cache-cache. Je cherche des fruits là. Le phare. Ok. Cette partie là, c'est bon. La dent. Mais c'est trop... En vrai, il y a des trucs, c'est vraiment trop, 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 trop moche maintenant. Les moulins, ils sont... En fait, c'est moche parce que tout est saturé. Enfin, et... ouais, si. Enfin, désaturé et... décolorisé. C'est pas très beau, hein. Y'a pas tant de fruits que ça, hein. La dent, elle souffre un peu. Un peu. La dent. Pauvre projet public. Ça s'appelle comment, ces sculptures renversées, un truc comme ça? Comment elle s'appelle comment ça s'appelle le projet public là? J'ai oublié son blaze. Mais les litchis, on dirait des litchis de pommes parfaites, vous trouvez pas? C'est pas une couleur bizarre un peu? Ils sont vraiment jolis dans l'inventaire. C'est une très belle couleur. C'est un peu une couleur un peu type framboise. Je la trouve trop belle. Sculpture courbe. Vous vous rappelez de la botte là? Comment elle s'appelait la sculpture de botte là? Quand j'étais petite, je l'avais mise dans ma ville. Parce que ça m'intriguait trop, je voulais voir ce que c'était. Et je crois que c'est un des premiers projets publics que j'ai foutu dans ma ville. J'étais dégoûtée, c'est ignoble. Et du coup, j'étais. Oh non, c'est trop moche et tout. Et du coup, je l'ai gardé en bas. Le vieux truc dégueu là. Ah oui, la botte, c'était hideux. Hideux. Et je vais me faire des centaines là. Je vais être riche en fait. Ah. Ouais, c'est des litchis. Ah, t'es peut-être passé avec un raid ou un truc comme ça, à moins que quelqu'un t'ait nommé. Robert! Des fois, il faut juste que tu passes une seule fois pour être dans la liste de potentielles personnes à être sub, en fait. Ok.
Il suffit que tu sois emmené là-bas par un raid et après que tu sois parti en 2-2 et que t'aies jamais posé les pieds là-bas réellement toi-même. Bah t'es compté comme ayant été là. Ouais, t'as peut-être été raid, hein, je pense, un jour là-bas. Et alors, on en parlait et je crois justement qu'il y a un truc particulier par rapport à ça. Qui est que normalement c'est toutes les personnes qui sont follow et qui sont passées une fois qui reçoivent un sub. Et alors si je dis pas de conneries, ou à moins que ce soit des très faibles chances, si tu n'es pas follow à la chaîne, c'est soit t'as pas de chance de recevoir un sub s'il y a des followers qui ne sont pas sub, ou alors t'as une très faible chance de recevoir un sub si t'es déjà passé sans être follow à une chaîne. Enfin je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Faut pas forcément être follow, mais je crois qu'il y a un truc... Si t'es pas follow, t'as beaucoup beaucoup moins de chance, ou alors tu dois attendre que tous les followers aient leur sub, quoi. Enfin, il y a un truc bizarre comme ça. Je sais plus ce que c'est exactement. Je sais pas comment ils ont calculé ça. J'aimerais bien avoir... C'est un peu un rapport de Twitch qui explique tout ça, pour pouvoir l'expliquer et savoir l'expliquer correctement. Je pense, je suis pas sûre à 100%, mais je pense que ça doit être quelque chose du style, tu vois. Ah, j'ai failli louper à côté. Enfin, la louper. Hein. La sculpture chaise. Ah, ok. Oh, vraiment. Une chaise, quoi. Merde. C'est long à faire, ça, c'est chiant. En tout cas, là, je vais me faire deux thunes. Bon après, hein, j'ai envie de te dire, si la personne a des belles émotes, franchement tant mieux. Si elle a des belles émotes à utiliser. Comme genre Karine le Marchand, franchement on dit pas non. Ah il est là le dernier. Je vais faire les derniers fruits là. Genre comme ça. Ce sont des belles émotes. J'en ai plus là, hein, je pense, des fruits. Allez, bah écoutez, on va le trouver. Il est trop moche. Il est horrible. Gay. Une émote comme ça. Ah. Chewbacca. Ils sont pas compliqués, ouais, vraiment. Ils auraient pu l'appeler sculpture de bottes. Ça aurait été encore un peu moins compliqué, je pense. So Harry en français, tellement. Je vais ranger ça, puis écoutez, on va décaler. Ah, ma chaise, elle descend, putain. Ça se voit tellement. Vous voyez comment je descends cran par cran? Ah. Toujours plus, hein. Je me dis en vrai, des fois, il faudrait grave que j'ai juste ma chaise. Tu sais, tout en bas et que je baisse le bureau, en fait. Parce que là, elle est tout en bas, parce qu'elle me saoule à descendre, mais en fait, j'ai des tellement grandes jambes que... Mes pieds ils touchent déjà par terre, donc c'est un peu inconfortable à m'asseoir. J'ai pas mes jambes qui sont étalées sur la chaise. En fait, elle a craqué au moment où je vous dis... Oh, regardez, maman, elle a craqué. Genre, je pense que vous avez pas entendu, mais... C'est un peu bizarre. J'aimerais bien changer ma chaise, mais bon, le prix d'une chaise... En fait, le truc, c'est que... J'ai un corps assez grand. Et que j'aimerais avoir un certain confort quand je m'assois sur ma chaise. C'est-à-dire que je passe ma vie, littéralement, à être... affalée dans ma chaise et à être en tailleur. Littéralement, je suis en tailleur sur ma chaise. Et en fait, les chaises gaming, ce qui est bien avec elles, enfin surtout du moins avec la mienne, c'est qu'elle a une assise qui est très large. Ce qui fait que je peux me foutre en tailleur sans me prendre les accoudoirs parce qu'ils sont en T, du coup mes jambes passent en dessous. Et enfin, je la trouve très confortable, j'ai pas mal au dos ou quoi que ce soit, mais elle commence vraiment à se faire vieille, ça fait presque 4 ans que je l'ai là. Et elle commence vraiment à se faire vieille et... Elle queen de fou et elle descend et les roues ça va pas. Il y a que des trucs vraiment relous sur cette chaise là.
Je veux rentrer. Du coup, j'aimerais bien la changer. Sauf qu'en fait, j'aimerais bien une vraie chaise. Une vraie chaise. Et une vraie chaise, parce que je passe vraiment ma vie sur l'ordinateur. Hein. Je passe, je sais pas combien de dizaines d'heures par jour sur l'ordinateur. Enfin, au moins une. Au moins une dizaine. En fait, je me dis, même si j'ai pas mal au dos actuellement, le fait d'être mal assise potentiellement bah, fait que plus tard, je vais être pas bien. Je vais pas avoir un bon dos et tout, tu vois. Tu veux pas la Théo ? Elle a croustillé. La Théo ? De quoi ? Que le cabanon soit noir ou de marron. Parce que c'est pas un Animal Crossing classique, c'est écrit dans le titre et en message épinglé. Lisez les messages épinglés s'il vous plaît quand vous arrivez. Ça nous évite de nous répéter sur les lives, c'est plus pratique on va dire. On va aller vendre tout ça là, je vais me faire des sous je pense. Ça je vais les foutre en... Ok. Et enfin bref, du coup je cherche une chaise et... Vous savez, j'ai fait, bon, je sais pas si vous étiez déjà là au moment là, mais il y a quelques années, j'ai fait une collaboration avec FlexiSpot pour avoir un bureau assis debout. Ils m'en ont envoyé un contre un placement dans une vidéo. Je me suis fait douiller, j'aurais dû leur demander qu'ils me payent, mais je ne savais pas à cette époque-là que j'étais en train de me faire douiller. Bref. Ils m'ont envoyé un bureau. Je me suis dit, bon, vas-y, au moins j'ai un truc. C'est pas juste faire un placement pour faire un placement et j'ai rien. Donc j'avais un bureau, je me suis dit que ça valait le coup. Bref. Soit. Troisième section de maternelle. Ah oui. Donc du coup j'avais un bureau. Et ils m'ont recontacté une deuxième fois pour un autre bureau. Je me suis dit bah ok, mais dans ce cas-là, envoyez-moi-en un plus grand. Donc je profite. Donc là j'ai ce bureau-là, donc de la deuxième fois. Ils m'ont recontacté une troisième fois. Ils m'ont dit on peut vous renvoyer un bureau. Et ma mère à ce moment-là, elle avait vraiment besoin d'un bureau parce qu'elle était de plus en plus en train de faire des trucs administratifs sur son ordinateur. Et en fait, le bureau que ma mère avait à l'époque, c'était pas un bureau. En fait, c'était notre ancienne table de cuisine qui datait des années genre 80-90, tu vois. Donc je dis, maman, vas-y, je peux avoir un bureau gratuit, je te l'envoie à la maison, et puis je fais les plans de coupe, et puis je fais mon placement. Voilà. Elle me dit, bon, bah vas-y, ok, si tu veux. Donc je fais livrer le bureau à la maison et tout, je fais mon truc, je fais mes bails, tout se passe bien et tout. Il me re-recontacte pour encore un placement. Et encore me renvoyer un bureau. Je leur réponds, je leur dis, écoutez, en fait, j'en ai déjà trois. J'en ai déjà trois. J'habite dans 39 mètres carrés. Du coup, j'en ai deux dans mon appartement. Actuellement, j'ai enlevé mon ancienne table de cuisine. Et j'ai un bureau assis debout en table de cuisine actuellement. Je sais pas où le mettre, tu vois. Mais ça valait plus cher que ma table de cuisine. Du coup, j'ai enlevé ma table de cuisine et j'ai gardé le bureau. Je me suis dit qu'un jour, il me servirait peut-être. Il m'avait jamais servi dans la cuisine, mais il me sert de table. Donc, c'est une table carrée. J'avais une table ronde, donc bon. Enfin, rectangle. J'avais une table ronde et là, le bureau est rectangle. Donc, ça change et ça me libère de fou de la place dans mon salon cuisine. Donc, c'est bien. C'est pas là que je vais aller. Mais, au moment-là, je leur ai dit, écoutez, je veux bien faire une collaboration avec vous, mais je préférais que vous m'envoyiez une chaise. Et eux, ils font des chaises entre, je sais pas, genre 350 et 600 euros. Et il y avait une chaise en particulier qui m'intéressait esthétiquement parlant et surtout au niveau de la couleur, parce que je peux avoir une chaise noire dans mon setup blanc et rose, ça fait un peu bizarre. Donc ils avaient une chaise assez claire qui m'aurait bien plu. Donc je leur avais demandé, ils me disaient, ah non, nous on fait que des collabs de bureaux et tout, désolé. Je dis, bah désolé, mais du coup je vais pas pouvoir accepter encore un fucking bureau, genre je peux pas, genre... Ouh, 162 000 les fruits. Allez, on va aller rembourser mon prêt. Et du coup, ils m'ont dit, bah, désolé, mais du coup, bah, tant pis, quoi. Je dis, bah, tant pis, c'est pas grave. Et ils me recontactent là, ce mois-ci, parce que je pense qu'il y a le Black Friday qui arrive le mois prochain. J'ai reçu deux ou trois mails de personnes différentes, hein, durant les derniers mois, alors que j'en reçois régulièrement durant l'année. Ils me redemandent pour des bureaux, ils me redemandent. Et je suis en train de me dire, mais en fait, ils se parlent pas entre eux dans la boîte pour savoir qui ils ont déjà contacté ou pas. Ils ne font pas des annotations sur les personnes avec qui ils ont fait des sponsors, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est toujours une nouvelle personne de la marque qui me contacte et qui me demande une sponsor bureau. J'ai dit, putain, mais organisez-vous, tu vois. Et je suis à ça de me dire, mais vas-y, en fait, ok, j'accepte toutes les sponsors. J'envoie des bureaux à tous mes potes, en fait. J'envoie des bureaux assis debout et électriques à tout le monde. Sauf que vis-à-vis de la marque, ça se fait pas. Du coup, je peux faire ça, mais je pourrais tellement dire oui, c'est chez moi. Il m'envoie des plans, hop, je les intègre dans ma vidéo, hop, hop, hein. Un petit bureau. Bref, je pourrais tellement faire ça, mais c'est pas du tout éthique, du coup, je le fais pas, mais...
Allez hop, tous les potes, d'un coup, si un jour vous les voyez avec des bureaux assis debout, c'est forcément moi qui l'aurais envoyé. Distribution de bureaux, non mais franchement, et je vous jure, j'aurais pu équiper tous mes meilleurs potes de bureaux assis debout au nombre de sponsors qui me... Enfin, d'offres qui me demandent, quoi. Alors que je leur réclame pour la chaise, quoi. Je dis, pitié, donnez-moi la chaise à la place, je sais pas, genre qu'on s'organise, qu'on se mette d'accord, tu vois, je sais pas. Ce serait drôle en vrai, mais bon, c'est pas éthique, donc je fais pas ça, mais... Je pourrais le faire. Mais je le fais pas. Ah, faut que j'aille voir Tom Nook, c'est pas du tout lui que je voulais voir. Je suis perdue. Ça sent grave le pain grillé chez moi, là. Je pense que mes voisins sont en train de faire des croque-monsieur ou un truc comme ça. Pourquoi tu fais pas un concours sur Insta? Bah parce que c'est pas ça le... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça la sponsor, en fait. C'est pas dans les critères de la sponsor. C'est placement vidéo YouTube. Point. Uniquement. Ils sont pas... ils veulent absolument juste ça et point. Du coup, bah, je peux pas négocier ou quoi. Mais j'avoue que ça aurait pu être... ça pourrait être sympa, mais je leur avais demandé hein, plein d'autres alternatives et tout. Ils m'ont dit, ah non, non, c'est un placement vidéo. Je dis, bon, bah tant pis. Hein. Et puis, je pourrais, tu vois, dire, ok, bah venez, j'accepte le bureau. Je fais les plans. Sauf qu'en fait, bah moi, j'ai un troisième bureau chez moi. Et même si, dans l'immédiat, enfin, dans l'idée, c'est pour le faire gagner après, je vais pas me faire chier à déplacer un fucking bureau assis debout, le démonter, le remonter pour l'envoyer à quelqu'un. Ça va me coûter je sais pas combien. Je vous adore, hein, mais j'ai vraiment pas l'envie de faire ça. C'est super chiant à faire. Donc, un peu non, quoi. Un peu non. Mais, dans l'idée où la marque peut l'envoyer d'elle-même, tu vois, par exemple, El Gato, quand j'ai fait des concours avec eux, là, récemment, pour vous faire gagner les produits de la gamme Neo, c'est eux qui étaient expéditeurs, donc c'est pas moi qui de chez moi envoyais les produits, tu vois. C'est vraiment la marque qui envoyait chez la personne concernée, qui prenait tout en charge. Comme ça, moi j'ai pas à me démerder à aller à la poste, payer je sais pas combien pour envoyer un truc de tel poids, tu vois, c'est moins chiant. Mais là, malheureusement, non, je pouvais pas faire ça. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de vous faire gagner un bureau, j'avoue. Pour le coup, c'est clair, c'est un bon truc ça. Et je crois que c'était Lucas, et je me tâte à les contacter, mais. Lucas, il avait contacté Herman Miller quand ils ont fait une sortie collab des chaises Logitech, là, vous savez. Logitech X Herman Miller. Herman Miller, c'est une des... C'est, je pense, franchement, honnêtement, la meilleure marque de chaises ergonomiques qui existe. Les chaises coûtent plus de 1000 euros. J'en ai eu au travail. Quand je bossais, là, pendant 3 ans, j'avais une chaise Herman Miller. Je vous assure, ça change tout. C'était incroyable de travailler sur ces chaises. Bon, celle que j'avais au travail, elle avait une assise pas assez large pour que je puisse être confortable et être posée comme je voulais. Après, j'étais au travail, donc je me mettais pas assise en tailleur comme maintenant. J'étais assise normale, tu vois, mais... Oh, waouh, le confort de la chaise, les gars, c'est quelque chose. Hein. Par contre, le prix, c'est aussi quelque chose. Mais le confort de cette chaise était vraiment incroyable. Mais il y en a d'autres types. Et tu vois, je sais que d'avance, même par exemple, si j'ai pas de dossier pour la tête... je sais que la chaise elle est incroyable quoi. Mais j'aimerais bien avoir un dossier pour la tête. C'est vraiment un truc, j'ai vraiment besoin de me poser à la tête quoi. Mais du coup bah, je suis toujours en recherche d'une chaise. J'avais contacté des marques et tout. Mais j'ai zéro réponse. Oh putain, je peux parler. Zéro réponse, etc. Je l'ai déjà ma nouvelle PP, mais j'attends toute la DA entière pour tout changer d'un coup. Je veux pas faire au compte-goutte, sinon c'est pas, y a pas d'effet de choc. Bon, enfin bref, sur ce, j'ai un peu faim, je vous avoue, puis 19h, ça fait 3h de live. Hop là, je vous emmène ici. Je vais éteindre le jeu et on va retourner sur Tomodachi Rapidos. On va retourner sur Tomodachi parce qu'on est des petits rigolos. Non. Avant de s'arrêter, stop l'émulation. Oh, ça bug pas ça par exemple quand tu stops l'ému. On va aller voir et puis on va aller Red Harry, évidemment. J'en ai marre parce que ça me saoule parce qu'il live à... quand moi je live, du coup je loupe tout son live et je peux pas être là et je peux pas m'amuser en fait. J'ai besoin de m'amuser. Tu vas choquer nos esprits. En bref, je pense que vous allez être quand même relativement assez content de tout ça. Ah non, j'ai trop la flemme, Lolo, des battles de rap, je t'avoue là. J'ai envie d'aller manger en fait, j'ai envie d'arrêter le live là. J'ai la flemme d'attendre pour les battles de rap. On en fera une prochaine fois, c'est pas grave. On a tous les soirs de la semaine pour en faire. Allez, le jeu, lance-toi. Allez, ça se lance. Je vous mets sur l'écran. On en fera dans la scène, si vous voulez. C'est pas un problème.
On a quelqu'un là-haut et j'ai marché du soir. On va prendre le truc du marché du soir. Fait trop de graines quand je verrai cette nuit. Oh non, arrête la peau. Ah, c'est dérangé. Dans la pochette surprise, il y a quoi? Non, pas encore, Zabou. Bah non, parce que ta mie, en fait, elle a plein de commandes à faire en même temps, donc... elle les fait d'abord et après, elle vient sur la mienne. Puis elle a les études et tout. Enfin, elle a plein de trucs en même temps, la pauvre. Mais elle se mettra dessus. Enfin, elle s'est déjà mise dessus, elle a déjà avancé un petit peu. Mais en fait, il y a tellement... Et franchement, tout ce que je lui demande, c'est énormément conséquent. C'est pas juste une pépé et juste deux écrans, hein. C'est toute une DA entière, c'est très long à faire et ça demande vraiment de la concentration et tout. C'est pas... C'est vraiment du travail, franchement, honnêtement, c'est vraiment beaucoup de taf que je lui demande. C'est important. Et puis c'est bien parce que je me dis, tu vois... par exemple, j'ai changé d'avis entre-temps pour la DA. Et je me dis heureusement que finalement, ça s'est pas fait tout de suite maintenant parce que si je changeais d'avis entre-temps, c'était un peu chiant. Ah. Hop. Ça s'amuse bien en tout cas, elles ont l'air de devenir copines. Comment ça, que pensez-vous de Zoruya? Bah, elle te présente à Jikanari. C'est gentil, c'est Nana Oshé, elle fait les présentations. Vous avez une nouvelle amie? Oui. Ah, le badge vert, c'est le badge du Z-Events, quand tu as participé au Z-Events. Qui s'est déroulé en début septembre. Pour vous remercier. Elles sont trop copines, normal. Esprit adulte, tellement adulte, Nana Oshé. Salut Adriel, comment ça va? Tu vas bien? Allez, hop. T'arrives à la fin du live, mais... Ah, on peut regarder l'information, ce que c'est. Puis on s'arrêtera là. Bah tiens. Bonsoir. Bienvenue dans l'édition de 7h des Infomies. Un nouveau record du monde a été établi aujourd'hui. Tessie et Shema ont battu le record du plus grand nombre de manches de pierre feuille ciseaux. L'enjeu de cet affrontement était de la choucroute, mais rien n'a pu les départager. En effet, les matchs nuls se sont succédés et la partie atteint le nombre record de 203 manches. 203 manches. Dernière nouvelle, la bataille faisait toujours rage. On fait trop peur, c'est un screamer à chaque fois, Alicia. Je vois. Merci de votre attention. Ouais, j'ai donné aux Z-Events. J'ai participé au live. Mais pas en tant que streameuse, non. Je me sentais pas du tout légitime à la dernière minute de demander. Mais si j'avais demandé, j'aurais été acceptée. Parce que c'était selon le nombre d'heures de stream récemment, etc. Et vu que je streamais tous les jours, deux fois par jour. Et que dans les gens qui ont été pris, il y a des gens qui font moins de viewers et qui streament beaucoup moins que moi. Je pense que j'aurais été prise aux Z-Events, mais je voulais vraiment pas y participer. Enfin, j'avais pas du tout prévu ça, en fait. Donc, c'est beaucoup de préparation et tout pour un event comme ça. Non, on continue pas la partie. Et puis, on ferme. Ouais, sûrement, Magali.